Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux, Compassion TV et sur Facebook. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chères familles, chers parents, chers couples, comment éloigner nos enfants des antivaleurs de la société actuelle? Comment préparer l'avenir de nos enfants? Eh bien, la réponse à ces questions se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22, au verset 6e, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » À cet effet, le département du couple et famille de l'Église La Compassion organise sa convention annuelle du mardi 18 au vendredi 21 octobre 2022. Au temple de l'Église La Compassion, situé à la 2e rue Limitée Industrielle numéro 4. Le thème retenu pour cette année, c'est « Comment élever nos enfants selon les seigneurs ?» Nous aurons tout au long de ces assises comme orateur le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur Coco Belladé, le couple pastoral Hubert et Véronique Kanengene, ainsi que le pasteur Colin Nzolatima. Cordiale bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Chères familles, chers parents, chers couples, comment éloigner nos enfants des antivaleurs de la société actuelle? Comment préparer l'avenir de nos enfants? Eh bien, la réponse à ces questions se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22, au verset 6e, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » À cet effet, le département du couple et famille de l'Église La Compassion organise sa convention annuelle du mardi 18 au vendredi 21 octobre 2022. Au temple de l'Église La Compassion, situé à la 2e rue Limitée Industrielle numéro 4. Le thème retenu pour cette année, c'est « Comment élever nos enfants selon les seigneurs ?» Nous aurons tout au long de ces assises comme orateur le pasteur Marcelo Tounassi, le pasteur Coco Belladé, le couple pastoral Hubert et Véronique Kanengene, ainsi que le pasteur Colin Nzolatima. Cordiale bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
l'Éternel est bon. La Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Plus qu'un père biologique. Un père peut t'aimer, mais il a des limites. Mais notre Dieu, il ne connaît aucune limite, ni dans les temps, ni dans l'espace. Il ne connaît pas de limites. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. J'étais en train de prier. Cet avant-midi, je réfléchissais, me disant, pourquoi alors qu'en ce lieu, nous parlons du Dieu créateur, nous parlons de sa parole, on veut parler aussi de l'éducation de l'enfant. Et très vite, le Saint-Esprit me faisait comprendre que l'enfant occupe une place prépondérante dans le programme de Dieu. Dieu compte sur l'enfant. Dieu, pour lui, l'enfant, c'est une bénédiction. Mais laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas un fruit du hasard. Je ne sais pas comment tu es venu au monde, mais je viens t'annoncer que tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es le programme et le projet de Dieu. Tu es la bénédiction du Très-Haut. Dieu sait pourquoi tu existes. Qu'importe que tu sortes d'une famille riche ou pauvre, une famille désunie où il y a l'amour, mais Dieu, il a un plan pour toi. Et par-dessus tout, il m'a encore dit que toi, comme tu es là, tu es le prolongement d'aujourd'hui. On ne peut pas parler du futur s'il n'y a pas d'enfant. Le mot futur serait un concept erroné sans l'existence des enfants. C'est pourquoi Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu es la réserve de Dieu pour ces temps. Tu es enflammé pour l'œuvre du roi des rois. Tu es enflammé pour entrer dans la guerre en faveur du royaume. Tu es la stratégie de Dieu. Qu'importe ce à quoi ressemble ta famille, c'est toi la stratégie de Dieu. Et il m'a dit encore que dans l'enfant, quand il regarde l'enfant, il voit que c'est la postérité de Dieu. Que tu as en toi une semence. Et cette semence détient les promesses de la moisson finale. Dans les derniers jours, il faut que tu évangélises. Il faut que tu dépeuples les camps de l'ennemi pour agrandir le paradis. Sans enfants, le plan de Dieu ne saura pas se réaliser. Est-ce qu'on peut se mettre à adorer le Dieu des enfants? Est-ce qu'on peut se mettre à adorer celui qui nous a appelés à ce lieu pour nous instruire? Nous tous étant enfants de Dieu, élevons nos voix, adorons le roi des rois. Adorons Jésus. Tu es digne d'adoration encore ce soir. Jéhovah est ton nom. Jireh est ton nom. Sabaoth est ton nom. Le Dieu fort et puissant. Le Dieu puissant dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Proclame-le, Jéhovah est son nom. Elohim, Elohim est son nom. Adonai, 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 son nom, son nom. Il est puissant guerrier, puissant guerrier.
encore, il est puissant guerrier. Oh, 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 oh. Dans les combats de ma famille, Jéhovah, Sabaoth est là, son nom, il est puissant. Il est digne de cris de joie. Poussons vers l'Éternel de cris de joie. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être célébré. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Bêta-moi mon lolo. Yesu akumamare, nabo moinanga, akumamare, akumama, alleluia, Yesu akumama.
yo, Yesu masi alelele. Akuma, Yesu akuma mae, na bombo inanga. Akuma, na libota nanga, na sengiyo eloko semoko. Kuma mana yo, Yesu masi alelele. Akuma, Yesu akuma mae, na bombo inanga. Akuma, betela yemo lo. Sois le kumu, na louange allélo. Sois le kumu, lélélé. Alléluia. Sois le kumu, na louange allélo. Sois wamilele, kumu. Wa milélé, wa milélé, moua barakani Yesu. Wa milélé, wa milélé, moua barakani Yesu. Wa milélé, wa milélé, Pambola keza Yesu Libera na libera Zamboya bikisa keza Yesu Libera na libera Zamboya bikisa keza Yesu Libera na libera Zamboya kambola keza Yesu Libera na libera Zamboya kambola keza Yesu Ah Yesu On y va.
commencer, c'est lui qui ferme la bouche de papa. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de papa. C'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle. On y va. C'est Dieu qui a commencé.
Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut sauter pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire des mouvements pour celui qui restaure les familles? Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni! Oh, gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Oh, que Dieu soit béni! La Bible dit publier ses hauts faits, publier ses merveilles par des cantiques et par des danses. Cette danse, c'était notre action de grâce, parce que nous croyons que durant ces 3 jours et aujourd'hui le 4e, le Seigneur est en train de restaurer les familles. Ce n'est pas seulement un séminaire pour les couples, c'est pour les familles. C'est pourquoi vous avez vu même nos enfants danser. Nous acclamons celui qui restaure les familles. Alléluia! Alléluia! Oh, que Dieu soit béni! Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à Dieu. J'aimerais inviter maman Françoise du haut de cette chaire afin qu'elle nous annonce le discours de clôture. Sous vos applaudissements, nous accueillons maman Françoise. Shalom, shalom, shalom frères et sœurs en Christ, révérend pasteur, servantes et serviteurs de Dieu, responsables des départements, frères et sœurs en Christ, chers invités, au terme de ces 4 jours de convention sur le thème Comment élever les enfants selon Dieu, je ne voudrais pas ajouter un discours fastidieux ni aux précédentes interventions des gens entendus, ni à celles que nous nous impatientons de suivre. En union avec l'ensemble de l'équipe d'organisation, c'est avec une immense joie et un cœur reconnaissant que je prends la parole ce soir. D'abord pour réitérer toute notre gratitude envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le bon déroulement de cette édition 2022 de la Convention des couples et familles. Car sans lui, nous n'aurions rien fait. Ensuite, pour réitérer l'expression de notre sincère reconnaissance à l'endroit de tous ces éminents orateurs. Vous avez été chacun selon la grâce qu'il a reçue, les canaux à travers lesquels les parents ont compris que la famille est le cadre par excellence du salut des hommes, car de même que les enfants sont engendrés biologiquement dans le foyer, ils doivent l'y être aussi spirituellement et amener au Seigneur à travers l'acquisition des valeurs chrétiennes à partir de la famille. Enfin, à vous tous participants en présentiel et virtuel aux présentes assises, votre participation à ces 4 jours de convention et à l'image de votre attachement au Seigneur, à l'image de l'apôtre Pierre qui a déclaré « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean chapitre 6, verset 68. Frères et sœurs en Christ, distingués invités, cette convention a été au centre d'une grande mobilisation des papas et des mamans qui, pendant plusieurs semaines, ont piloté sans relâche toutes les étapes de préparation. Ils ont été imaginatifs, engagés et exceptionnels. Permettez-moi qu'ils soient vivement félicités par vos acclamations. La présente édition de la Convention des couples et familles est aussi une œuvre des héros dans l'ombre.
il s'agit des contributeurs financiers qui ont été sensibles à nos appels répétés pour la mobilisation du budget. Dieu les voit et nous prions qu'il les bénisse abondamment sur tous les plans, qu'il fasse continuellement luire sa face sur eux. Nous adressons un grand merci aux responsables et ouvriers de tous nos départements qui ont apporté dans leurs matières respectives une contribution appréciée par la réussite de ces assises. Nous aurions pu avoir la meilleure organisation du monde, les ressources nécessaires, mais que serait cette convention sans votre participation? Merci du fond du cœur pour votre présence physique et virtuelle pendant ces 4 jours de bénédiction. Frères et sœurs en Christ, chers parents présents et à venir, distingués invités, selon Proverbe 19, 21, je cite, « Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Fin de citation. Nous aurions désiré avoir ce moment merveilleux et nous préparer de la meilleure manière à cet effet. Mais sans l'approbation de Dieu et sans sa présence, notre mobilisation n'aurait eu aucun sens. C'est pourquoi, en reconnaissance à la bonté de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, individuellement et collectivement, je voudrais qu'on l'acclame très fort pour avoir atteint ses desseins à travers cette organisation. Nous venons de réussir ensemble l'organisation d'une convention de très haut niveau spirituel. Les interventions faites en ce lieu ont été riches, complémentaires et leur transmission sous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons la conviction que la semence de Dieu ainsi reçue va transformer nos foyers et notre aptitude dans la façon d'éduquer nos enfants. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Tout au long de ces 4 derniers jours de convention, nous avons compris qu'élever un enfant selon Dieu, c'est le façonner, le former, le guider, l'instruire, l'encadrer à développer ses facultés physiques, intellectuelles, morales, à la lumière de la parole de Dieu. Dans le royaume auquel nous appartenons, Dieu a pris soin de mettre son contenu dans la façon dont nous sommes censés éduquer nos enfants. Le monde inculque ses valeurs, ses normes et son caractère. Dieu en fait autant envers les siens à travers sa parole par l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, sur chaque instruction donnée à l'enfant, il devrait y avoir une valeur à inculquer. Le respect, l'amour, l'altruisme, le courage, l'ordre, la diligence, l'honneur sont des valeurs qui sont loin d'être naturelles chez l'adulte et encore moins chez l'enfant. Pour terminer, le comité d'organisation par ma bouche vous exprime ses sincères reconnaissances pour vos prières, votre temps, vos finances qui ont contribué à la bonne tenue de cette convention. Nous exprimons nos sentiments de gratitude à l'endroit des hommes et femmes de Dieu
pour leur présence fraternelle pendant les 4 jours de ces assises. À tous les participants, nous disons un grand merci et vous encourageons à la culture de bonnes valeurs pour demeurer enfants de Dieu en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ et les transmettre à notre progéniture pour le même salut. Soyez un bon témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu au sein de vos milieux de vie. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine édition de la Convention des couples et familles, si Christ n'est pas revenu entre-temps. Je vous remercie. Ton Dieu s'est tourné vers toi et te donne paix. Nous acclamons le Seigneur pour ce mot. Plus fort que ça, nous acclamons le Seigneur. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait parmi nous pendant cette semaine. Pour toute parole reçue, pour tout message reçu. Nous bénissons Dieu, nous acclamons. Merci Seigneur pour ta grâce, ta connaissance, ta faveur. Pour les vies touchées, pour les messages donnés. Pour les orateurs envoyés, pour l'organisation, pour toutes choses, pour le succès. Pour le département des couples et familles, nous te bénissons. Alléluia. Dispose ton cœur à recevoir le message que ta femme reste sur toi. Plus de générations sur ta famille, tes enfants, de leurs enfants.
Le salut.
la clôture de cette convention. Oins-moi pour cela. Atteins ton but et ton plan, ici et partout dans le monde. Merci pour ton nom et ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Clap your hand for Jesus. Acclamons Jésus. Salue ton voisin, ta voisine, et dis-lui, élève tes enfants selon le Seigneur. Ah, aujourd'hui, les couples nous ont étonnés par la danse, ils savent danser. Hein? Acclamons les couples pour la danse. Quelle surprise! Et c'est bien, des choses nouvelles dans les conventions, il ne faudrait pas que les conventions soient monotones et que les choses se passent toujours comme d'habitude, comme si Dieu n'inspire pas. Je tiens vraiment à féliciter tout le département et à tous les orateurs. Et surtout, vraiment, hier, j'ai suivi, je ne pouvais pas être là. Je peux dire vraiment que c'est l'une des meilleures émissions réalisées à la Compassion. Hier, c'était formidable avec le couple Kanengene, c'est cela? Et Jonathan et Amanda, ça c'est l'une des plus belles émissions de la Compassion. Si vous n'étiez pas là hier, allez sur Compassion TV, tapez couple Kanengene, Compassion, vous allez voir quelle complémentarité, quelle humilité, vraiment, c'est un couple merveilleux. Amen. Et je prie que Dieu nous donne de travailler ensemble. Vraiment, ils ont été une grande bénédiction. Alors aussi, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais préciser certaines choses par rapport à ce que le pasteur Colin Zolantima a dit la fois passée. Certaines personnes sont allées avec des zones d'ombre sur le Chibaou et sur les chefs coutumiers. Voici ce que je crois. Et je crois qu'il croit aussi, c'est que ce ne sont pas tous les chefs coutumiers qui sont des sorciers. Amen. Si nous disons chefs coutumiers, c'est sorciers, nous mentons. Ce n'est pas vrai. Il y a des chefs coutumiers qui ne sont pas dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fétiche, qui ont seulement une autorité. Parce que les chefs coutumiers, chez nous, c'est le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre. Quand ça se passe ailleurs, on dit « Ah, c'est normal ». Donc, tous ne sont pas dans l'occulte, certains ne sont pas dedans, d'autres sont dedans. Donc dans l'église de réveil, nous devons éviter, chaque fois qu'on dit chef coutumier, sorcellerie. Ah ça, si nous le disons, alors là nous sommes déséquilibrés. Amen. C'est comme on dit, politicien, voleur, menteur. C'est pas vrai, il y a des politiciens qui ne sont pas voleurs et menteurs. Aujourd'hui on dit pasteur, aventurier, c'est faux. Beaucoup de pasteurs ne sont pas aventuriers, donc nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence dans ce domaine. Arrêtez de croire que si on dit chef coutumier, c'est démoniaque, c'est satanique toujours. Non, ça ce serait un déséquilibre. Nous sommes une église équilibrée. Et de deux, au sujet de Chibaou, en soi le sens qu'il a voulu donner, c'est que le jugement du péché n'a pas commencé par le diable. Ce ne sont pas les sorciers qui ont établi le jugement des adultères, parce que le Chibaou, c'est un jugement contre l'adultère. C'est Dieu en premier qui a établi des jugements contre l'adultère. Et en Israël, on lapidait même les adultères. Et ce n'est pas le diable qui a commencé par des jugements où le feu tombe, ou non, ça ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et donc, quand peut-être que le terme qu'il a utilisé a dû déranger, mais je crois qu'il voulait parler des jugements. Que nous devons opérer aussi dans le jugement, nous devons aussi opérer dans la confrontation de puissance, comme Moïse l'a fait avec les magiciens de l'Égypte. Donc c'est ça le vrai sens, opérer dans le jugement divin. Amen. Mais pas opérer dans la sorcellerie coutumière. Amen. Donc c'est ce que je voulais dire. Aussi, j'ai suivi une question hier par rapport à l'émission. Il y a des couples qui se plaignent, qui disent « Ah, mais vous nous avez invité à une convention de couple, mais vous ne dites pas les choses comme il se doit. » Vous devez savoir que le monde a changé. Une église qui est sur Internet ne peut pas s'exprimer comme une église qui n'est pas sur Internet. Une fois que tu mets une caméra devant un pasteur et c'est en ligne, il change sa manière de parler. Parce qu'il peut parler, se lâcher, on va faire couper et puis ça va créer des choses.
Alors je crois que dans les temps qui viennent, s'il faudrait parler vraiment sans tabou dans une convention des couples, on aura deux sortes de conventions. Une convention en ligne, où ben on prend des gants, parce qu'il ne faut pas tout dire en ligne, parce que si les enfants qui viennent, alors on pourra faire des conventions sans caméra, des conventions qui ne passent pas en ligne, et des conventions sans célibataire. Amen. Donc il y aura des telles conventions où on n'invite que les mariés et ça ne passe pas en ligne pour tout dire parce qu'on ne peut pas tout dire. Tu ne peux pas me poser une question maintenant là et je réponds à tout. Non, je ne peux pas. Il y a longtemps, je le faisais et j'ai compris que ça ne se fait pas et je ne le ferai plus jamais, je n'ai là pas. Alléluia. Le monde de l'Internet, c'est différent. Aujourd'hui, nous ne servons pas Dieu comme au temps de Paul, au temps de Moïse, au temps de Jacques. Non. C'est différent, très, très différent. C'est pourquoi vous devez être compréhensif avec les pasteurs. Aujourd'hui, c'est différent. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons lire trois passages de la Bible. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3, verset 21, qui confirme le même passage, pour dire vraiment que c'est un fardeau dans le cœur de l'apôtre Paul. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On dit deux fois pères, c'est comme si ce sont les pères qui ont tendance à irriter les enfants. On ne dit pas femme, on ne dit pas mère, on dit père. Donc c'est souvent les pères qui sont colériques et qui éduquent les enfants avec colère. Amen. On a parlé de père, mais je crois que dans père il y a aussi mère. Mais quand on dit père, père deux fois. Donc papa, faites très attention de ne pas irriter vos enfants. Parce que souvent ce sont les hommes qui opère dans l'autorité à outrance. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, le thème de mon message, c'est comment élever les enfants selon le Seigneur, selon le thème qui a été donné. Élever. Élever, c'est quoi? Élever, c'est faire grandir. C'est instruire. C'est donner de la valeur. C'est amener à la maturité, c'est amener à l'indépendance, c'est amener l'enfant à devenir un fils, c'est rendre sage, rendre intelligent, rendre fort dans tous les domaines, c'est éduquer, c'est modeler, c'est former, c'est élever. Tu ne peux pas dire que tu élèves un enfant si tu ne le fais pas grandir. C'est-à-dire que si ton éducation consiste à garder un enfant bébé et dire tout le temps « tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant », tu ne l'élèves pas. Beaucoup de parents, c'est ce qu'ils font. « Tu es un enfant, tu es un enfant ». Dernièrement, ma petite fille Chifra dit « les parents, je ne vous comprends pas. Il y a un temps, me disiez que j'étais un enfant, un enfant ». Depuis que Oracle Tabiri est né, vous me dites que j'ai grandi. Donc, quand est-ce que je suis passé de bébé à grandir? Il faut m'expliquer. Donc, tout d'un coup, vous avez décidé que j'ai grandi. Vous voyez? Parce qu'on lui disait toujours, tu es un enfant, tu ne peux pas. Tu es un enfant, tu ne peux pas. Mais dès qu'elle est devenue grande sœur, on dit, tu es grande, surveille ton frère. Tu es grande, tu ne peux plus faire ça. Maintenant, tu es une grande sœur. Ça fait un choc. Ce qui fait que même dans la vie, lorsque tu as tout le temps traité ton enfant comme un enfant, il aura du mal à assumer les responsabilités. J'ai envoyé mon fils Oracle à l'internat, pour qu'il apprenne à prendre soin d'une maison, d'une chambre, et qu'il puisse assumer ses responsabilités. Lui, il a 15 ans. Moi, je suis allé à l'internat à l'âge de 12 ans. Et lorsqu'aujourd'hui, je cause avec lui, c'est un autre enfant. Je lui ai dit, tu es grand, tu peux aller loin, tu es seul. Et tu es dans un internat. Pourquoi? Parce que je prépare un grand homme. Et on ne prépare pas un grand homme en le cajolant, en le bébérisant et en le trouvant toujours incapable, incapable. Des fois même quand il doit prendre son avion, on refuse
de lui dire, de lui montrer les procédures. Lui-même, il va, il se tient devant l'officier de l'immigration, il présente son passeport, tout, et tout le monde est loin qu'il apprenne à le faire. Parce que quand tu voyages, tu trouves des enfants de blanc qui ont 14 ans, qui ont 16 ans, qui voyagent seuls. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il prend l'avion, il atterrit, il décolle, il ne se perd pas aux aéroports. Mais nous, des grandes personnes jusqu'à 30 ans qui se perdent dans les aéroports et qui te demandent même la sortie. Exit et Zawapi. Et on nous dit toujours, mais tu ne sais pas lire. Donc, il y a la exit à Otuna. Alléluia. C'est-à-dire que élever les enfants, ce n'est pas un slogan. Oh, j'élève mes enfants. Non. Quelle est ta philosophie? Quelle est ta pédagogie? Déjà maintenant, quelle est ta pédagogie? Si tout le temps, tu as peur comme si ton enfant est en vitre, il va se casser. Tu ne l'élèves pas, tu l'étouffes. Faire grandir, c'est instruire. Instruire, c'est différent de parler. Il y a des parents qui pensent qu'ils éduquent parce qu'ils parlent beaucoup. Non, tu peux bavarder. Tu n'as rien dit. Instruire, c'est avoir une vision d'inculquer une connaissance. C'est-à-dire que pendant que je cause avec cet enfant, mon but aujourd'hui, c'est lui enseigner l'humilité. Mon but, c'est lui enseigner la patience, la maîtrise de soi. Le but, le voilà. Mais pas parler, papoter. Ah, moi, j'éduque mes enfants. Pourquoi? Parce que je reste avec eux. Ouais, tu restes avec les enfants. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien. C'est pourquoi nous sommes étonnés. Tu prends ton petit enfant, tu l'amènes à l'école. Il n'y fait que 4 heures du temps. Il revient, il apprend la mathématique, il apprend plein de choses. Alors que toi, tu passes tes journées avec lui, mais tu ne lui apprends rien parce que tu n'as pas une vision dans ta manière de lui parler. L'école a une vision. On prend un enfant de la maternelle et on l'amène à l'école primaire. Il doit apprendre ça, ça et ça. Mais dans notre conversation avec les enfants, il n'y a pas un but. On papote. Papoter avec l'enfant, ce n'est pas l'instruire. Ce qui fait que je peux passer avec ton enfant 30 minutes et toi tu passes 3 heures du temps, j'instruis ton enfant plus que toi parce que moi je lui donne des paroles qualitatives et j'ai une vision pendant que je lui parle. Instruire. Élever un enfant, c'est donner de la valeur. Élever. Il y a le mot élever, faire monter vers le haut. Donner de la valeur à un enfant. Tu es intelligent. Tu es fort, tu es beau, tu es élégante, tu es ceci, tu es cela. C'est lui révéler sa valeur et lui communiquer de la valeur. C'est-à-dire que dans l'éducation, l'enfant doit cesser de souffrir de complexes d'infériorité. Un enfant élevé ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des problèmes, mais il doit être rempli d'assurance. C'est ça, élevé. Mais si tu élèves ton enfant en l'insultant, tu es bête, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, et je regrette t'avoir eu. Tu n'élèves pas l'enfant, tu détruis l'enfant. Lorsque tu élèves, il faudrait que tu propulses l'enfant vers le haut. C'est amener à la maturité. Amener à la maturité. Et il faut le faire très, très tôt. Les nations se développent par la capacité que les familles ont d'amener très tôt les enfants à la maturité. J'ai rencontré un Indien, il me dit que déjà à l'âge de 12 ans, il était déjà dans les affaires. C'est que ses parents, très tôt, l'ont amené à la maturité et ont cessé de le traiter comme un enfant et ont cru qu'il pouvait être un commerçant. Je connais un autre à l'école, dans leur école, ils vendent aux autres des téléphones, ils vendent aux autres des unités, ils vendent aux autres. Mais c'est un enfant, mais qui a déjà la vision de devenir riche, de devenir grand, alors qu'il est en train d'étudier. Pourquoi? Les parents lui ont inculqué qu'il doit devenir mature. Si on prend ton garçon qui a 15 ans, qui a même 18 ans, on l'expose face à la vie. Est-ce qu'il saura se battre? Regardez, nos mamans se sont mariées à 18 ans. Nos papas se sont mariés à 20 ans, 25 ans. Mais tu vas voir qu'ils étaient déjà des responsables parce que dans la manière d'éduquer en ce temps-là, on amenait très tôt les gens à la maturité, on ne les bébérisait pas. Amener à l'indépendance, lui dire « Mon argent, c'est mon argent. Ta vie, c'est ta vie. Tu dois te battre, même si tu as des moyens. » Tu dois apprendre à ton enfant à gagner son propre argent. Tu dois apprendre à ton enfant qu'un jour, il doit quitter la maison. Pas lui dire, je vais te construire une boëri dans la parcelle, tu vas habiter là. Alléluia.
C'est pourquoi vous remarquez que les Occidentaux parviennent très tôt à la maturité. Parce qu'à 18 ans, déjà, on lui dit, tu dois participer à l'eau, tu dois participer à l'électricité, tu dois apporter ta contribution. Mais nous, jusqu'à 30 ans, on demande aux parents le pain, du thé. Pourquoi ? On ne nous inculque pas l'esprit d'indépendance. Tu ne seras pas toujours là, cher parent. Dieu peut te prendre très tôt. Et si tu n'as pas inculqué un esprit d'indépendance à tes enfants, le jour que tu mourras, ce seront des pauvres orphelins. Des pauvres orphelins, donc des pauvres orphelins qui sont incapables même de gérer le peu que tu leur donneras. Amener à l'indépendance, c'est amener l'enfant à devenir un fils, même dans la parole de Dieu. Il y a l'enfant et il y a le fils. L'enfant a la nature du père, le fils a le caractère du père. Alléluia. C'est inculquer le caractère à l'enfant, l'éducation, les civilités. Et il y a des livres merveilleux aujourd'hui, tu peux lire sur comment éduquer un enfant, en faire un fils, en faire un prince. Tu n'as pas besoin d'être un roi pour élever tes enfants comme des princes. Je répète, tu n'as pas besoin d'être un roi pour élever tes enfants comme des princes. Tu peux le faire. Alléluia. Car je vous assure, lorsque tu meurs et tu laisses des enfants bien instruits, c'est déjà un passeport pour entrer dans des portes et pour ouvrir des portes qui sont bloquées. Combien de personnes n'arrivent pas à faire des grandes choses seulement à cause de l'éducation ? On ne lui a pas appris à dire s'il vous plaît. On ne lui a pas appris à parler aux hommes élevés. On ne lui a pas appris à se tenir devant des grandes personnes. On ne lui a pas appris à demander. On ne lui a pas appris à communiquer. C'est amener à l'indépendance, c'est amener l'enfant à devenir un fils. C'est rendre sage, c'est rendre intelligent, c'est rendre fort. Rendre fort son âme, forte son âme, rendre fort son esprit et même son corps. Oui, tu es un garçon, ben pousse-le à faire du sport, alléluia. Oui, fais du sport, discipline-toi. S'il doit se muscler, dis-lui de se muscler, ça va l'aider, alléluia. À le rendre fort, le bâtir, le bâtir. Chez les Chinois, on ne bâtit pas seulement un enfant dans son esprit, même dans son corps. Tout le monde doit apprendre les arts martiaux. Mais ben, je mets ça de côté. Rendre sage. Comment tu peux rendre un enfant sage? Si par exemple, il commet une erreur, au lieu seulement de gueuler l'enfant, tu dis pourquoi tu as commis l'erreur. Cherche à comprendre pourquoi tu as commis l'erreur. Oh non, c'est parce que je m'étais réveillé en retard et mon devoir, au lieu de le faire hier, je voulais le faire le matin et le matin et tout, tout, tout. Donc, qu'est-ce que tu feras prochainement? Prochainement, je le ferai 2 jours avant et prochainement, ceci, il apprend. Mais si seulement tu gueules, mais tu ne pousses pas l'enfant à réfléchir sur pourquoi il a échoué, il ne deviendra pas sage. Rendre sage, rendre intelligent, rendre fort, rendre intelligent. Chaque fois qu'il vient te demander, ça c'est quoi? Va chercher. Oh, papa, c'est quoi? Directement la réponse, non. Je connais, mais tu cherches. Je connais, mais tu cherches. Je connais, mais tu cherches. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Lui permettre, lorsque tu causes, de parler. J'ai remarqué des fois, nous rendons nos enfants intelligents en leur coupant tout le temps la parole. Tout le temps. L'enfant commence à parler, ah, tu coupes, ou tu es au téléphone, ou bien tu... Et il dit, ah, ce que je dis n'est pas important, donc je ne suis pas intelligent. Mais lorsque tu regardes ton enfant de 10 ans dans les yeux, pendant qu'il t'explique des histoires de gamines, elle se dit, oh donc je suis intéressante, ah donc on m'écoute. Dans certaines familles, lorsqu'on est à table, les enfants ne parlent pas. Ils sont là en train de regarder les adultes causer. Non, quand vous êtes à table et que les adultes causent, apprends à tes enfants aussi à parler, mais à parler poliment, sans couper la parole aux adultes, mais à participer à la conversation. Et ainsi, lorsqu'un enfant peut participer à une conversation d'adultes et que les adultes, des fois, se taisent et ils parlent et ils se sentent considérés, respectés. Certains enfants, tu le tiens ici, il va prendre le micro, il va parler. Si tu fais des recherches, ses parents l'écoutent. Mais un enfant qu'on brime, même à l'âge de 30 ans, tu lui donnes le micro, il tremble. Pourquoi? On ne l'a jamais considéré. Alléluia. Rendre sage, rendre intelligent, rendre fort. On ne bâtit pas en détruisant. Il faut toujours bâtir la force parce que tu n'as pas ton enfant pendant longtemps. Certains vont partir à 18 ans, d'autres vont se marier à 20 ans. Tu as peu de temps pour bâtir la force en eux.
Beaucoup d'enfants vont affronter la vie faible dans la tête. Ils pleurent pour rien, ils pleurent pour rien. Tout le touche, tout le touche. Si on ne l'aime pas, ça le touche. On l'abandonne, ça le touche. Mais oui, des enfants pareils, c'est la faute des parents. Parce que vous ne bâtissez pas la force en eux. Pourquoi tu es triste? Oh, mes amis à l'école ne me causent pas. Ça te fait quoi si te cause pas? Tu es allé étudier pour eux? Tu allais étudier pour toi-même. Alors s'il ne te cause pas, toi cause le professeur. Alléluia. Et Dieu va te donner des vrais amis qui vont t'aimer, te respecter. Tu bâtis la force. Alléluia. Moi, quand mes enfants reviennent de l'école, si tout le temps ils parlent de leurs amis, je dis arrêtez tout le temps de parler de vos amis. Parlez des études. Parce qu'un enfant qui est dépendant des amitiés devient faible dans la vie. Il va aller à l'école pour jouer. Il va aller à l'école pour rencontrer quelqu'un au lieu d'aller étudier. Et ça crée une faiblesse sur le plan psychique d'un enfant qui est dépendant sur le plan psychique. Et un jour, lorsqu'il aura à rencontrer la vraie vie qui est impardonnable, il aura le choc de sa vie. Ne bâtissez pas des enfants fragiles, bâtissez des enfants forts. Alléluia. Filles et garçons, pas seulement les garçons. Des fois, je vois les pères, les mères, les parents, c'est plus les garçons qui bâtissent. Non, ta fille. Ta fille peut se faire manipuler si elle est faible. Ta fille peut se faire détruire par ses amis si elle est faible. On a des enfants qui vont à l'école. Tu vois un tout petit là, qui est court même par rapport à lui, qui le domine à l'école. Toi, viens ici, viens. Donne ton pain. Il donne le pain. Tiada baba. Pourquoi tu as donné le pain? Mais parce que si je ne donnais pas le pain, il allait se fâcher. C'est pourquoi tu as donné le pain. Il va donner aussi 10 000 dollars demain comme ça. Donne le pain, je ne te donne pas. Pourquoi? C'est mon pain. Demande-le, je te donne. Si tu ne demandes pas, je ne te donne pas. Apprends ça à tes enfants. Pas se battre, à s'affirmer, à s'imposer. Ça fait partie aussi de la culture. C'est pourquoi si tu ne causes pas avec tes enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, tu ne connaîtras pas leur réalité. Parce que les enfants, des fois, ils vont à l'école, on le tabasse. Ils vont à l'école, on leur arrache le bic. Ils vont à l'école et on leur arrache cela. Mais tu ne sais pas, quand ils rentrent calmement, ils ne te disent pas. Mais comment c'était à l'école? Ah, tu sais, tel me gifle toujours. Pourquoi il te gifle? Il aime gifler les gens. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fui. Oh, ok. Prochainement, alors? Oui, prochainement, ne fuis pas. Et dis-lui, ose me toucher. Tiens-toi devant lui. Ose me toucher. Mes enfants, ils font aussi le cerf. Ah, il n'y a pas de mal aussi, hein. Parce que l'enfant peut revenir avec un œil crevé, hein. Et tu l'amènes à l'hôpital et on l'a déjà crevé les yeux. Et c'est ce que j'avais appris à Oracle. Comme il est grand de taille, il était fort. Je dis, ne te bats pas, mais démontre seulement la force. Quand un enfant joue avec lui, le tient seulement comme ça, il le secoue. Il sent seulement la force. Il arrête. Et puis maintenant, Oracle commence à le gérer. Ah, toi, tu ne feras pas ça, hein? Ok, si tu rentres chez toi à la maison, tu trouves un homme sur ta femme en train de la tabasser, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va prier? Qui va jeûner? Qui va dire, s'il te plaît, petit, par l'amour de Dieu, arrêtez de taper ma femme. Frère, je vais te prendre, je te... Et puis je dis que c'est la dernière fois. Parce que si je te laisse, tu vas la tuer. Toi, tu ne peux pas faire l'armée. Un chrétien qui va à l'armée, quand il tue, il pêche ou pas? Papa, dis-moi tout, prochaine, non. Ah, il y a tellement de choses qu'on doit expliquer dans la Bible. Tellement de choses qu'on doit expliquer dans la Bible, parce que nous avons des frères qui sont des généraux, nous avons des frères qui sont des colonels, mais quand quelqu'un est un général d'armée, il envoie des gens au front, il envoie des gens tués, est-ce qu'il pêche ou il pêche pas? Alléluia. Évoluons. C'était une parenthèse. Alléluia. Élever, c'est quoi? C'est modeler. Modeler. Modeler, c'est-à-dire tu dois avoir un modèle. Alors, chers parents, quel est ton modèle? Quel est ton modèle? Tu éduques les enfants, c'est bon. Tu les éduques, tu les amènes où? Tu dois avoir un modèle et tu dis, en fonction de ce modèle que j'ai, je commence ici et j'amène là. Tu veux créer des grands hommes, engendrer des grands hommes, des grandes femmes, des enfants leaders? Alors, on commence ici, on va là. Non, j'aimerais engendrer des employés. Ben, on commence ici, on va là. J'aimerais engendrer des enfants qui sont seulement normaux. Ok, on commence ici, on va là. J'aimerais engendrer des enfants qui seront extraordinaires dans le monde. On commence ici, on va là. Et c'est ce qui va déterminer même les écoles,
Ta manière de leur parler, ta manière de leur éduquer. Quelle est ta vision de l'enfant? C'est alors que tu vas commencer. Mais si tu n'as pas une vision, tu vas aller quelque part, tel éduque son enfant de cette manière, toi aussi tu prends. Tel éduque son enfant de cette manière-là, toi aussi tu prends. Alors que lui, il a une vision, il a un rêve qu'il poursuit et il a une instruction selon le modèle qu'il a. Alléluia. Lorsque tu veux que tes enfants deviennent des leaders, très tôt tu dois leur dire qu'ils vont diriger. Très tôt, tu dois leur dire qu'ils doivent dominer. Pas dans le mauvais sens, parce que Dieu a dit à Adam, domine. Très tôt, il lui a dit, domine. Très tôt, tu dois lui dire, toi, tu ne travailleras chez personne. Tu seras le chef de toi-même. Tu seras le chef de toi-même. Le chef de toi-même. Le chef de toi-même. Tu lui dis, tu lui dis, tu lui dis, tu lui dis, tu lui dis. Pourquoi? Parce que tu es un modèle. Mais si tu n'as pas un modèle, si tu n'as pas un rêve, ce sera, tu écoutes là, tu prends, tu lis ce livre-là. Des fois, ce n'est pas adapté à la destinée de l'enfant. D'autres, des grands footballeurs, eh ben, tu ne vas pas l'éduquer comme celui qui va être professeur de chimie. Lui, tu dois lui apprendre très tôt. Ne mange pas ça, ne mange pas ça. Fais ton jogging. Ne grossis pas, ne grossis pas, ne grossis pas. Et tout, tout. Pourquoi? Parce que tu sais que son corps n'est pas qu'un corps, c'est une arme. C'est modélé, c'est formé, c'est élevé. Élevé, c'est élevé, c'est-à-dire c'est amené vers le haut. Quand on éduque un enfant, on l'amène vers le haut. C'est pourquoi si ton enfant va dans une école et quand il rentre, tu sens qu'il va vers le bas, fais très attention. S'il fréquente quelqu'un qui devait l'élever, mais il va vers le bas, ce n'est pas élevé. Dans élever, il y a élever. C'est faire monter, faire monter. Chaque fois que tu élèves ton enfant, tu dois le faire monter. À chaque rencontre, faire monter. Le matin, bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Oh, tu es bien habillé. Ah, ok, c'était comment à l'école? Oh, c'était comme ça. Et si tu as réussi? Ok, c'est très bien, mais il faut me faire mieux. Ah, il faut faire mieux. Oh là, le point là, ah, c'est bien 70, mais tu sais que tu peux avoir 80. Ok, tel jour, non, il ne fallait pas que tu rentres à 20h, il fallait que tu rentres à 19h. Tout le temps, élevé, 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 mais jamais rabaissé, jamais tapé, jamais insulté. Certains aiment le passage qu'il faut battre les enfants pour éloigner le mal d'eux. Ça, c'est un dernier recours. On chicote un animal parce que l'animal n'écoute pas. Mais ce qui écoute n'a pas besoin de chicote. Il faut parler. Lorsque tu frappes tes enfants, eh ben, tu fais mute à entendre. Ils n'entendront plus quand tu parleras. Ils attendront sentir la douleur pour entendre. Mais sache que l'homme est extraordinaire, il s'habitue à la douleur. Au départ, ça va faire mal, après ça ne fera plus mal. Et s'il est spécialiste, il va porter des cartons. Tu tapes, il pleure, mais il a porté les cartons. Qui a fait ça? Alléluia. Et si tu t'habitues à frapper ton enfant, eh ben, tu seras obligé de continuer. Parce qu'il ne t'écoute plus, c'est taper. Ok, tu vas le taper à 10 ans, tu vas le taper à 12 ans, tu vas taper à 18 ans, à 20 ans. Tu vas taper à 20 ans, tu le regardes comme ça, taper. Maintenant, si le diable entre en lui, il te tape. Oh, tu le maudis. Mais qui a commencé? Alléluia. Ben, tirer les oreilles, tirer la joue. Il m'est arrivé de le faire il y a très très longtemps. Mais c'était inutile. Parce que les mains des parents sont faites pour donner la joie aux enfants, pour protéger les enfants, pour chérir. Et quand l'enfant voit la même main qui le serre, qui le porte, tirer l'oreille, tirer la joue, alors quand cette main reviendra pour protéger, l'enfant aura peur. Et un jour, dans cette église, je sortais et je vis une petite fille très très belle. Je voulais m'approcher d'elle pour la serrer dans mes bras. La petite fille a fui. Elle a eu peur quand je me suis approché. Donc j'ai compris que ses parents la frappaient. Parce que quand j'ai levé ma main pour la prendre, elle a fait ça parce qu'elle, la toute petite, elle sait que les mains, c'est pour faire du mal. Alléluia. Certains disent, moi j'étais un enfant frappé et ça m'a éduqué comme je suis. C'est pourquoi je vais te frapper. Tu as un esprit de vengeance. En soi, tu as envie de taper ton papa. C'est pourquoi tu tapes tes enfants. Alléluia. Oui, en soi, tu aurais aimé taper ton père quand il t'est tapé, mais comme tu ne peux pas le taper, tu tapes tes enfants. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia.
Et tu sais que quand tu bats tes enfants, eux aussi vont battre leurs enfants et tu vas avoir toute une progéniture de brutalité. Parler, parler et parler encore. Et d'ailleurs, la meilleure discipline, ce n'est pas frapper, mais c'est priver l'enfant de ce qu'il aime. Ton enfant aime la télé, tu dis plus de télévision. Il aime sortir, plus de sortie. Il aime beaucoup manger, tu dis tu vas manger maintenant les fruits. Oui, prive-lui des choses qu'il aime. Il aime le Nintendo, pas de Nintendo. PlayStation, pas de PlayStation. Il aime aller dans les fêtes, tout le monde va à la fête, sauf lui. Il aime les vacances, cette fois-ci, pas de vacances. C'est pire que frapper. Alléluia. Prive-le de ce qu'il aime. Dis-lui, donne-moi ta tablette, c'est fini. Tu la mets là, c'est fini. Et tu vas voir, il va changer. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont tellement attachés à leur téléphone que quand tu touches le téléphone, il verra tout. Alléluia. Selon le Seigneur. Élevé selon le Seigneur. C'est quoi élevé selon le Seigneur? C'est selon la Bible et non selon la culture des hommes. Et donc il faut la lire. Mes frères et sœurs, la Bible est élevée au-dessus de la Constitution. Je répète, la Bible est élevée au-dessus de la Constitution. Je répète encore que la Bible est élevée au-dessus de la Constitution. Si la Constitution dit des choses qui sont bibliques, ok, je vais appliquer la Constitution. Mais si la Constitution contredit la Bible, moi je vais appliquer la Bible même dans l'éducation de mes enfants. Alléluia. Selon la Bible, c'est pourquoi tu dois connaître la parole du Seigneur. Selon la volonté parfaite de Dieu, non selon la volonté permissive de Dieu. Ce qui fait que tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour tes enfants. Tu dois connaître la destinée de tes enfants. Jacob pouvait connaître la destinée de ses enfants. Ainsi, lorsqu'il les bénissait, il prophétisait leur futur et cela est arrivé. Éduquer selon le Seigneur, c'est éduquer selon le plan que Dieu a pour tes enfants. Ce qui fait que les parents, vous devez être des prophètes. Si Dieu a appelé mon enfant à être pasteur, déjà dans l'éducation, je commence à lui dire, toi tu es un homme de Dieu, toi tu es un serviteur de Dieu. Et il va étudier, je dis, mais après tes études, tu dois faire la théologie. Déjà tu dois servir Dieu maintenant, tu dois. Pourquoi? Parce que je connais sa destinée. L'autre, je sens qu'il est appelé aux affaires. Je veux faire qu'il s'habitue à l'argent, qu'on parle avec lui économie, qu'on parle avec lui stratégie, qu'on parle avec lui investissement, parce que je connais sa destinée. Prenez le temps de connaître la destinée de vos enfants. Ce n'est pas parce que tu as éduqué l'enfant A de telle manière que tu vas éduquer l'autre de telle autre manière. Il se peut que leurs destinées sont totalement, diamétralement opposées. Celui-ci pourra rester avec toi, mais l'autre est appelé à aller très loin de toi parce que sa destinée n'est pas dans ce pays. Sa destinée, c'est en URSS. Mais si tu dis, non, toi tu es fragile comme l'autre, le fragile peut-être doit rester à côté de toi, mais l'autre doit partir. Tous mes enfants, non, il ne faut pas dire tous mes enfants. Chacun est particulier. Ce qui fait que tu dois être prophète et tu dois prier Dieu de te révéler le plan de chacun. La destinée de chacun. Élever les enfants selon le Seigneur, c'est les élever selon le Saint-Esprit. Donc toi-même, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois savoir entendre la voix de Dieu. Sinon, quelqu'un d'autre prophétisera sur tes enfants et les dirigera selon lui. Et même, des fois, tu t'opposeras au plan de Dieu pour tes enfants. Mon père a toujours voulu que je devienne un homme d'affaires. Il a toujours voulu que je devienne un grand selon ce monde. Mais le plan de Dieu, c'était que je devienne pasteur. Cela n'a jamais effleuré la pensée de mon père, qu'il aurait un enfant pasteur et des enfants pasteurs. Et quand je devais répondre à l'appel de Dieu, c'était terrible pour lui. Alors que c'était la bénédiction de Dieu qui frappa la porte de sa maison. Mais comme il n'était pas en esprit, il s'est opposé à cela. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Oui, chers parents, des fois tu veux que tes enfants t'écoutent toujours. Mais si toi tu n'entends pas Dieu, comment tu veux que je t'écoute? Ah oui, parce qu'un parent peut détruire la vie de son enfant. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. L'enfant peut connaître sa destinée, mais toi, comme tu n'es pas connecté à l'esprit, tu ne connais pas, il ne va pas t'écouter, il va écouter Dieu. Ah oui, cher frère, toi qui es là, si vraiment tu es un homme spirituel et tu es une femme spirituelle et tes parents ne comprennent pas, ne saisissent pas ta destinée et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, eh bien tu dois écouter le Père Céleste. Et un jour, les pères de la terre comprendront.
Lorsque j'ai dû répondre à l'appel de Dieu, c'était difficile pour mes parents. Mais j'ai forcé et ils m'ont laissé partir. Mais quand c'était le tour des autres, ils ont accepté facilement parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Alléluia. Selon le Saint-Esprit. Donc il faut soi-même être rempli du Saint-Esprit et il faut être sensible au Saint-Esprit. Selon le modèle de Christ, donc il faut soi-même être chrétien. Élever les enfants selon le Seigneur, c'est selon le modèle qui est Christ. C'est-à-dire tu regardes Jésus et puis tu éduques tes enfants. Tu regardes Jésus et tu éduques tes enfants. Ton enfant revient de l'école, il dit on m'a insulté, tu dis yopé lobi, finayepé. Babeti, kenepe beta. Tu vois quand j'ai pas dit va taper, j'ai dit va maîtriser. Selon le Seigneur. Parce que si j'étais un papa païen qui ne connaissait pas Dieu, mon enfant revient de l'école, il dit qu'on l'a tapé, demain, il ira aussi taper. Mais comme je suis chrétien, je dis non, demain, si on te frappe, tu barres et tu maîtrises. Tu es plus fort que lui, maîtrise-le. Là, pourquoi? Parce que je suis chrétien. Lorsque tu ne connais pas Jésus, tu vas donner une éducation mondaine à tes enfants. Beaucoup d'enfants qui s'habillent mal, qui les ont appris à s'habiller mal? Ce sont les parents. Ce sont les parents qui achètent au début des mini-jupes. L'enfant n'a pas l'argent pour s'acheter des mini-jupes. Ce sont les parents qui, au début, achètent aux enfants des habits trop moulants et trop serrés. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Et même là, j'aimerais même parler aux parents chrétiens. Les parents chrétiens, il y a un sérieux problème. Des fois, quand Dieu vous dit d'imposer la pudeur à vos filles, vous n'arrivez pas à imposer la pudeur à vos filles. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Eh, mon enfant va dire qu'il est déphasé. Ah bon? Donc ton enfant doit être à la mode par rapport au péché. C'est un sérieux problème dans les familles aujourd'hui. Des chrétiennes qui sont incapables d'imposer à leurs enfants de s'habiller avec pudeur. Ma fille, quand elle vient, je dis, ce n'est pas bien, tu enlèves. Pourquoi? Devant c'est bien, derrière c'est pas bien. Oh papa, pas de papa, tu ne peux pas. Tu ne portes pas ça. Tu enlèves. Elle se fâche. Je m'en fous. Tu ne vas pas porter ça. Mon but, ce n'est pas avoir des enfants qui rient. Mais mon but, c'est d'avoir des enfants qui craignent Dieu. Vaut mieux gâcher sa soirée. Mais elle apprend que papa est contre ça et Dieu est contre ça. Mais souvent, que nous voulons être laxistes, tu laisses ton enfant. Et puis après, demain, un jeune garçon commence à courir derrière elle. Alors qu'elle n'est encore qu'une gamine. Et puis tu as des sérieux problèmes. Pourquoi le laxisme des enfants, des mamans chrétiennes? Des mamans chrétiennes. C'est pourquoi dans le couple, lorsque l'un de vous a la force de résister, il ne faut jamais que l'autre puisse l'affaiblir. Comme le couple d'hier, oui. Parce que des fois dans le couple, qu'est-ce qui arrive? La mère, dans certains domaines, peut être faible. Le père, dans l'autre domaine, est fort. Le père, dans un domaine, peut être faible. La mère, dans l'autre domaine, est forte. Il faut vous compléter. Mais si vous vous anéantissez l'un l'autre, alors vous allez détruire vos enfants. Si le père a le courage de s'opposer à une chose qui est biblique, maman soutient-le parce que c'est biblique. Et si la mère a le courage de s'opposer à une chose qui est biblique, qui n'est pas biblique, laisse-la s'opposer. Selon le Seigneur, Jésus doit être le modèle. C'est-à-dire que mes enfants doivent ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. S'ils commencent des choses qui sont mondaines, je dis non, 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 non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un chrétien ne fait pas ça. S'il commence, non, 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 non. Oh non, cette musique, elle n'est pas du monde, elle n'est pas de Dieu et le milieu. Non, 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 non. Est-ce que Jésus allait l'écouter? Non. Ok, tu laisses. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des musiques, des enfants, tu ne sais pas si c'est comment. Des fois, c'est seulement des instrumentales. Alléluia. On ne dit rien dedans. Mais tu sens que c'est à côté du monde, que si l'enfant s'habitue à ça, demain il va tomber vraiment dans la musique là. Et un excès de compréhension, et vous aurez des païens dans vos maisons, des païens dans vos maisons, des païens à l'aise, des païens à l'aise, des païens à l'aise. Selon le modèle de Christ, donc il faut soi-même être chrétien. Alors voici, j'ai remarqué, tu éduqueras ton enfant selon ton niveau spirituel. Quand tu es un papa charnel, une maman charnelle, tu vas faire passer des choses qui ne peuvent pas passer. L'enfant peut être devant toi là, il commence à boire un peu. Comme il ne s'est pas enivré, ça ne fait rien. Alléluia. Oui, il y a des parents comme ça. Alléluia. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. La jupe là, quand même, elle est ici. Elle est ici. Est-ce qu'elle est ici? Elle est ici. Ok.
Alors quand elle va ajouter, en coupant encore des centimètres, ce sera toujours, elle est ici, elle est ici. Va vous amener des copains, des copines, très tôt. Et au lieu de dire non, c'est l'impudicité. Arrête de choquer l'enfant avec des mots comme ça. Quel mot? C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est-à-dire à ton âge, tu ne peux pas commencer ça. Toi, tu étudies pour l'instant, oublie les choses des filles. Non, ça coince l'enfant. Décoincez-les, ils finiront en enfer. Décoincez-les. Cher père, chère mère, arrêtez d'être trop cool, hein? Alléluia. Les gens qui baptisent des enfants ne sont pas très cool. Ils sont équilibrés. Mais être équilibré, ce n'est pas être trop cool. Ou tu vois le mal et tu rigoles. Ah bon, quand ça grandira, tu pleureras. Pendant que Dieu te fait grâce de l'avoir sous ton autorité, profite. Parce qu'une fois qu'ils partent, c'est fini. Tu vas récolter que les conséquences. Selon le Saint-Esprit, selon le modèle que Christ nous donne, c'est-à-dire tu regardes à Jésus et tu regardes ton enfant. Et tout ce qui ne ressemble pas à Jésus dans ton enfant, tu le combats, tu le refuses. Selon la sagesse divine et non selon ta sagesse. N'élève pas un enfant selon ta sagesse. La sagesse de l'homme est très limitée. Tu risques d'engendrer des enfants qui sont malins, qui sont manipulateurs, ils pensent qu'ils sont sages. Tu vas engendrer des hypocrites. Tu vas engendrer des méchants. Tu vas engendrer des mondains. Pas ta sagesse, mais la sagesse de Dieu. Là où ta sagesse n'est pas conforme à la sagesse de Dieu, ne communique pas cette sagesse. C'est comme ça que tu as des parents qui engendrent des escrocs, des parents qui engendrent des profiteurs, des parents qui engendrent des gens faux. Regarde, la tante vient vous visiter et vous causez avec elle devant les enfants. Une fois qu'elle donne le dos, l'enfant voit comment tu changes de langage au sujet de la tante. Tu lui as appris une chose, à parler derrière les dos des gens. Tu appelles ça sagesse? Tu as communiqué ça. Tu auras des enfants bah, tongi tongi. Alléluia. Et l'effet, les enfants, selon le Seigneur, c'est amener les enfants à ressembler à Christ. Et donc, toi-même, tu dois être un modèle. Toi-même, tu dois ressembler à Christ. Parce que si tu commences à le pousser à faire ce que tu ne fais pas, l'enfant ne te suivra pas. Et les enfants sont champions pour rappeler. Un jour, tu dis, à table, on n'est pas au téléphone. Ok, l'enfant prend, il dit, plus de téléphone à table. Tu prends seulement. Papa, toi-même, t'avais dit. Papa, toi-même, t'as les téléphones. Papa, t'as... Non, vous savez là. Non, papa, toi-même, t'as les téléphones. Dites comment. Comment élever les enfants selon le Seigneur? Premièrement, en priant, en jeûnant, en veillant, en combattant spirituellement. Regardez la femme syrophénicienne. Un esprit possède son enfant. Elle vient auprès de Jésus en faveur de son enfant. Dieu attend voir un père, une mère pleurer pour ses enfants, prier pour ses enfants, jeûner pour ses enfants, veiller pour ses enfants, prendre autorité sur les puissances des ténèbres. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois veiller, tu dois implorer Dieu pour qu'il puisse se révéler à tes enfants. Tu peux les tabasser comme tu veux. S'ils n'ont pas la révélation, tes coups ne serviront à rien. Jeûnez-vous pour vos enfants. Priez-vous pour vos enfants. Citez-vous les noms de vos enfants au devant de Dieu. Combattez-vous spirituellement pour vos enfants. Tu ne fais pas ça. Mon enfant, pourquoi ça? Pourquoi ça? Des fois, c'est un démon. Des fois, c'est un esprit impur. Des fois, ce sont des forces des ténèbres. Tu dois les chasser au nom de Jésus-Christ. Oh oui, les démons existent. Un démon peut te combattre, il n'arrive pas à t'avoir, il cherche à t'avoir au travers de ton enfant. Soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière. Deuxièmement, en enseignant et en prêchant, en conseillant selon la parole de Dieu. Regardez mes frères et sœurs, quand vous lisez la parole, Moïse, Josué, conseillaient beaucoup Israël. Ils avaient le rôle des pères par rapport à Israël. Et tout le temps, Moïse répétait,
N'abandonnez pas l'Éternel. N'adorez pas des faux dieux. N'adorez pas des faux dieux. N'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas celui qui vous a sorti de l'Égypte à main forte, à bras étendus. Enseignez, parlez, prêchez, enseignez, parlez, prêchez, conseillez. Pendant combien de temps? Toute ta vie. Alléluia. Enseignez, prêchez. Donc, tu dois avoir le dépôt. Tu dois avoir le dépôt. Sinon, tu vas dire à ton enfant, chacun pour soi, Dieu pour tous, mon fils. Prier, chanter, c'est prier des fois, mon enfant. Tu vas donner des versets de glossaire. Tu vas donner des exemples et des films au lieu de porter la parole de Dieu. Lis la Bible, tu parleras Bible. Lis les Écritures, tu parleras Écriture. Comment mon fils s'est converti? Je revenais de l'église, je rentre, il me dit, papa, qu'est-ce que tu as prêché? Je voulais résumer seulement. Dieu me dit, parle comme si tu parlais à une personne adulte. Je lui ai prêché l'Apocalypse que j'avais enseigné. Je lui ai parlé de la tribulation, je lui ai parlé de l'enlèvement, je lui ai parlé de la bête, je lui ai parlé du faux prophète, du millénium. L'enfant a crié, je dois recevoir Jésus, je ne vais pas aller en enfer. Et il s'est converti à l'âge de 8 ans. Alléluia, mes frères et sœurs. Ayez la parole. Tu ne donneras pas une Bible que tu n'as pas. Tu ne donneras pas une connaissance que tu n'as pas. L'enfant te posera des questions et tu dois répondre avec des Écritures parce que la Bible a plus d'autorité que tes paroles. Alléluia. Aujourd'hui à table, ma fille me pose la question. Papa, pourquoi il y a des homosexuels et des lesbiennes? Pourquoi ils sont comme ça? Imagine telle question. J'ai dit parce que l'homme est comme ça. Et j'avais une tasse en main. J'ai dit, tu vois cette tasse? Si on dit que c'est pour prendre le café, l'homme va dire, je vais manger le foufou des dents. Parce que l'homme aime toujours innover. Il aime toujours contester Dieu. Et il dit, papa, quel est le premier homosexuel du monde? Tu connais son nom? J'ai dit, non, je ne connais pas. Parce que depuis Sodome et Gomorre, il y en avait déjà. Oh, depuis ces temps-là, oui, c'est à cause de ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Aujourd'hui, je lui ai enseigné cela. Et il dit, elle ne savait pas. Maintenant, elle sait que ça commence depuis longtemps. Et tu en as déjà rencontré personnellement comme ça? Oui, j'en ai déjà rencontré. Oh, moi j'en ai jamais rencontré. Et qu'est-ce que tu fais? Non, je prie pour eux et Dieu les aide, Dieu les soutient. Je lui ai communiqué aussi qu'il ne faut pas les rejeter, il faut les aimer et il faut prier. Mais elle n'a pas 12 ans, elle n'a pas 15 ans, elle n'a pas 20 ans. Mais je lui ai donné une connaissance que je peux donner à quelqu'un de 20 ans. Pourquoi? Je crois qu'elle est intelligente. Arrêtez de parler à vos enfants comme s'ils sont bêtes. Alléluia. Et surtout au Congo, vraiment on suppose qu'ils sont bêtes. Regardez même les publicités sur des, qu'on fait pour les enfants. Lia mateka, 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 lia mateka, ozokochi ya mateka, boye, boye. Donc, on a évité que mateka, bah, chango, il faut que tu aies la en français. Ouais. Et les parents, c'est comme ça. Tu envoies un enfant, va me prendre mon pantalon dans la chambre. Viens. Est-ce que tu as compris? J'ai dit quoi? Tu as dit les pantalons, il part, reviens, j'avais dit quoi? Tu le rends bête, tu le rends bête parce que tu es en train de dire que lui il oublie après 10 mètres. Va me prendre mon pantalon dans la chambre, il revient, c'est tout. Moi ma mère me faisait rire, elle t'envoie puis elle dit viens. J'ai dit un coca, deux Fanta, tu as compris? J'ai dit quoi? Un coca, tu pars, reviens. Même dans les écoles, j'habitais à côté d'une école, il fallait voir comment on leur apprenait des choses. Hein. La papaye, la banane, la... Et tu vas entendre ces enfants quand ils parlent français, ils parlent comment? Monsieur le professeur, nous sommes heureux de te voir ce soir parce que... Bon, la wana bekola bongo. En français, il faut enlever les enfants de telles écoles. En priant, en jeûnant, en enseignant, en prêchant, en conseillant et en croyant que l'enfant va le faire. Alléluia. Il ne faut pas conseiller sans la foi. Toi, vraiment, tu ne changeras jamais. Ne dites jamais ça. Toi, tu n'écouteras jamais. Tu l'as déjà maudit. Arrêtez de dire ça. Toi, tu ne changeras jamais. Toi, tu n'écouteras jamais. Alors, pourquoi tu me conseilles si je ne changerai pas? Laisse-moi tranquille. C'est comme si je viens vous prêcher, dis, ah, c'est ce que je vais prêcher. Vous n'allez pas croire. Pourquoi je prêche?
Je vous prêche parce que vous allez croire. Vous allez changer. Vous allez appliquer. Vous allez le pratiquer. Même si c'est difficile, je crois. Soyez positif comme les pasteurs. C'est pourquoi des fois les parents, vous êtes étonnés que vos enfants aiment les pasteurs plus que vous. Parce que le pasteur, quand il parle à ton enfant, il croit en lui, il croit en son changement, il croit au positif, il croit au meilleur. Mais toi, moi, noyo, na ebité pesanzambe na salonine. Nate abongo. Alléluia. Troisièmement, en écoutant et en dialoguant. Quel que soit l'âge de l'enfant, il a des choses à te dire. Regardez Dieu dans sa manière de nous éduquer. Il nous écoute. Tu pries 10 heures de temps, Dieu t'écoute. Hein? Mais des fois, on a des prières terribles. Hein? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'il te brûle? Il te dit, développe. Tout le monde est béni sauf moi. Je t'ai fait quoi? Il te tue, il te laisse. Pourquoi je t'ai créé au Congo? Il te laisse. Il te tue, il te laisse. Mais toi, ton enfant, quand il commence, ah, les choses des enfants, mange, va dormir. Mais Dieu, il t'écoute 10 heures du temps. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, il t'écoute. Il te parle, tu réponds. Regardez comment est-ce que Abraham a parlé avec Dieu. Comment il a intercédé pour Lot. Tu peux être énervé, mais Dieu l'a écouté. Écoutez les enfants. Il peut commencer bêtement, mais il va finir dans la sagesse. Alléluia. Et je le fais des fois, quand on fait un culte familial, j'ouvre un verset biblique et je ne prêche pas du coup. Je dis, qu'est-ce que vous comprenez? Et tu es étonné, des fois, chiffre te sort des choses là. Tu te dis, où est-ce que tu as appris ça? Quand les autres, et quand ils voient, il est pasteur, mais il a dit que, quelle révélation! Et donc moi aussi, je comprends la Bible. L'enfer rempli de fierté. Demain, quand Dieu va l'appeler à prêcher, il va dire, si je pouvais convaincre papa, je vais convaincre l'église. Ça commence très tôt. Alléluia! En enseignant, en écoutant, en dialoguant, en persévérant, en patientant, en pardonnant et en supportant. Ce n'est pas du jour au lendemain. Tu dis change et il change. On ne change pas les enfants par une baguette magique. Il faut patienter. L'impatience que nous manifestons envers les enfants est un signe de manque d'amour. Parce que voyez comment nos parents nous ont patienté. Et comment même jusqu'à aujourd'hui Dieu patiente. Tu veux que ton enfant devienne propre? C'est aujourd'hui qu'il doit être propre. Il est propre, ça fait 20 ans. Il est sale, ça fait 20 ans. Tu veux qu'il devienne propre en une soirée. Le pasteur nous a dit que vous devez arranger vos chambres. Allez, tout le monde là-bas. Arrangez. Il est comme ça, ça fait 20 ans. Et tu veux qu'il change. Et s'il arrange et il laisse de la saleté, tu reviens. Toi, tu ne croiras. Toi, tu ne comprends pas. Tu m'amènes de la saleté, des portes d'entrée, des démons. Alors que tes parents t'ont conseillé combien de fois? Combien de fois tu as fait le mal et Dieu a été patient envers toi? Des fois tu vas patienter 10 ans, des fois 15 ans, et puis un jour, l'enfant change. C'est pourquoi il faut apprendre à pardonner aux enfants. Et quand tu pardonnes à un enfant, il ne faut pas lui rappeler le mal qu'il a causé la fois passée. Ça c'est la 5e fois, ça c'est la 6e fois, ça c'est la 7e fois. Tu engendres un rancunier. Lui aussi, quand il va éduquer ses enfants, et même quand il sera avec sa femme, il retiendra tout le mal qu'on lui fait. Les parents qui rappellent les fautes aux enfants engendrent des rancuniers qui tiennent des comptabilités des fautes. J'étais un jour quelque part, quelqu'un m'a rappelé un mal que je lui ai fait en 1998. Natchaboué. Oyeba ngokaga akanga. C'est sûr que ses parents se souvenaient qu'il a cassé un verre, qu'il avait brûlé la chambre, et il lui rappelle. Quand tu pardonnes, pardonne. Et tu dois supporter. Et supporter avec joie. Il ne faudrait pas que tes enfants sentent que tu les supportes malgré toi. Banoyo. Tu vois des parents comme ça. Quand ce mec, il entre chez lui à la maison, il est triste. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Yopénine. D'autres, s'ils les mangent, si les enfants viennent, tu les chasses comme un chien. Parce qu'ils vont toucher à ta nourriture. Des parents gloutons. Quand ils mangent, on ne touche pas son assiette. Si les enfants remarquent que toi, tu n'aimes pas qu'on touche à ton assiette, ils auront toujours l'appétit de toucher à ton assiette. En supportant, en corrigeant et en punissant, mais avec douceur et amour. Lorsque tu punis un enfant avec amour, et avec douceur, l'enfant sait que c'est pour son bien.
Mais quand c'est avec brutalité, méchanceté, sache ceci, que toi tu peux tourner la page. L'enfant ne tourne pas la page. Certains parents sont là, ils pensent qu'ils sont en paix avec leurs enfants. Mais l'enfant attend de devenir fort pour s'en aller et t'oublier. Comment tu peux prendre un enfant? Tu prends du piment, tu mets dans ses yeux et tu mets partout. Et tu le tabasses. Et tu penses que c'est passé. Personne ne lui a jamais fait ça. Même son professeur à l'école n'a jamais fait ça. L'enfant garde une haine. Mais comme c'est toi qui nourris, comme c'est toi qui donnes, l'enfant te supporte. Mais le jour seulement qu'il aura la liberté, tu vois un enfant qui devient grand, mais qui ne t'aide pas. Parce que l'enfant sait que tu ne l'aimes pas. Comment une mère peut insulter son enfant, dénuder son enfant, frapper son enfant devant tout le monde, et l'enfant est nu? Et tu ne demandes même pas pardon. Tu penses que c'est passé parce que tu es maman, parce que tu es papa. Non, c'est passé pour toi. Ce n'est pas passé pour l'enfant. Et là, je sais ce que je dis. Parce qu'il m'est arrivé, mes frères, de rappeler à mon père des choses. Mais il était très étonné. Pour lui, c'était passé. Pour moi, ce n'était pas passé. Corriger, mais avec douceur. Mais corriger quand même. Dans la Bible, on nous parle du sacrificateur Élie. Qui ne corrigeait pas ses enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants? Dieu les a tués. Il couchait avec des femmes devant la tente d'assignation. Il prenait les offrandes de l'Éternel. Et lui, il était un papa compréhensif, tolérant. Et Dieu a tué ses deux enfants le même jour. Quand tu ne corriges pas tes enfants et tu veux jouer au papa moderne, tu amènes la destruction dans tes enfants. Tu dois apprendre à tes enfants qu'il y a des interdits. Tu dois apprendre à tes enfants qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Sinon, un jour, ton enfant se retrouvera en prison. Un jour, ton enfant prendra ce qui n'est pas à lui. Un jour, ton enfant touchera la fille d'autrui et t'amènera des sérieux problèmes. Ne te lasse pas de corriger. Mais fais-le toujours avec amour, toujours avec douceur. Et lorsque tu sens que tu es pris de colère, ce jour-là, ne corrige pas. Alléluia. Quand tu sens que tu as perdu la maîtrise, reporte à demain. Et ça, je voyais des fois, tu commets une erreur et tu dis aujourd'hui, ça va barder. Tu vois, rien n'arrive. Le lendemain, quand tout se calme, on t'appelle parce que les choses sont apaisées. Si tu veux tout traiter, à l'instant, tu traiteras des fois mal. Parce que si tu es rempli de colère, tu détruiras au lieu de construire. C'est pourquoi des fois, fais passer et tu parleras. C'est toujours ton enfant, il n'y a pas l'enlèvement de l'église. Alléluia. En donnant l'exemple et en restant ensemble dans la fidélité, dans la soumission. Maman, tu peux dire à tes enfants, soyez des bonnes femmes. Ce qui touche une fille, c'est comment tu vis avec son papa. Tu peux tout lui donner des livres. La fille n'a que faire de tes livres. Comment tu vis avec son papa? Si elle voit que tu manques du respect à son père, tu lui dis que tu peux manquer du respect à ton mari. Papa, tu peux tout dire à ton garçon, d'être un bon père. Quand tu rentres à 2h du matin, quand tu fais des enfants à gauche et à droite, tu dis le contraire. L'enfant retient ce qu'il voit. Quand tu dis à tes enfants d'être excellents, mais toi-même, ta maison est désordonnée, ta vie est désordonnée, tu es en train d'enseigner la médiocrité. Le modèle. C'est beau quand tu entends des filles dire « J'aimerais épouser un homme comme mon père. » C'est beau quand tu entends des garçons dire « J'aimerais épouser une femme comme ma mère. » Tu l'as marqué, tu l'as marqué. Il sait que maman est une bonne maman, est une bonne épouse. Est-ce que tes enfants aimeraient épouser des femmes comme toi? Est-ce que tes enfants aimeraient épouser un homme comme toi qui tabasse leur maman? Dans son cœur, ton enfant dit, je ne serai jamais comme cet homme. Jamais je ne serai comme cette femme. Et tu veux avoir de l'influence sur les enfants. On a de l'influence sur les enfants en étant un modèle. Un modèle. C'est pourquoi certains parents sont étonnés de ne pas avoir de l'autorité sur les enfants. Mais on a de l'autorité lorsqu'on est un modèle. Lorsque tu fais n'importe quoi, tes paroles n'ont plus de force et n'ont plus de puissance. C'est quand les enfants vont te manquer. En étant soi-même un modèle, un exemple, il était démontré que les enfants de divorcés divorcent facilement. Parce qu'ils ont vu
leurs parents détruire l'une des choses les plus importantes de la terre et aller au tribunal, se chamailler, se diviser. Ils se disent, ce n'est pas important. C'est pourquoi si tu proviens d'une famille de divorcés, fais très attention. Tu dois être sûr que tu as réglé cela. Est-ce que pour toi le mariage est sacré? Est-ce que le mariage est important? Car souvent, ce que nous voyons nous marque et sans même le savoir, nous prédispose à faire de même. Je tiens dans mon couple à cause de Jésus, mais quand même aussi quand je vois mes parents qui ont maintenant 48 ans ensemble, mon père, ma mère, avec ensemble, j'ai dit s'ils ont tenu et qu'ils ne sont même pas des pasteurs, je tiendrai. Leur exemple me fortifie. Alléluia. Mais quand tu as divorcé ici, et puis après tu divorces là, et puis tu divorces là, et puis tu divorces là, c'est normal que tes enfants divorcent également. C'est pourquoi lorsque tu veux épouser dans une famille de divorcés, tu dois bien tester si le lien a été coupé. Ah oui, hein. Il y a des couples, ils se marient. Une semaine après, tu entends, oh, la fille était rentrée chez eux. Oh. Après une semaine, pourquoi? Il m'avait énervé. J'ai pris mes bagages, je suis rentré. Pourquoi? Parce que chez eux, rentrer à la maison, c'est normal. À nos mamans, qu'est-ce qu'on disait? Quand tu te maries, on te dit, ma fille, on a brûlé ton lit, vrai ou faux? Ton lit a été brûlé, il n'y a plus de matelas. Mais maintenant, ma fille, ta chambre est disponible. S'il exagère, tu rentres. Et on dit même au Bali, Azakwambeto à l'hôpital. Alléluia. Sois un modèle, un exemple. Tu vas avoir des enfants qui réussissent dans la vie, réussis dans la vie. Alléluia. Tu vas avoir des enfants qui se battent dans la vie, qui voient que papa se bat. Mais quand ils voient papa, c'est un paresseux. Et aussi, ils seront des paresseux. Pourquoi aujourd'hui les Américains engendrent des milliardaires? C'est parce que les parents se battent. Et l'enfant voit comment son père se bat. Et ils engendrent des gens qui se battent. Pourquoi dans notre pays, il y a tellement de pauvres? C'est parce que les parents sont pauvres et ils engendrent des pauvres. Aucune culture de richesse n'est donnée aux enfants. Ce qu'ils voient, chaque matin, ils voient papa, 4h du matin, il est debout. Il prend son café, il sort et il rentre, discipliné, discipliné. Il investit, il dit, je serai comme lui. Mais il te voit en train de dormir, à dormir, causer, dormir. Dormir, tu es en train de détruire ton enfant. Il faut les éduquer dans la sagesse et dans la discrétion. Regardez, la Bible nous dit, lorsque les deux prostituées se sont chamaillées à un enfant, l'une disait, il est à moi et l'autre est à moi, et que Salomon a dit, coupez-le en deux, la vraie mère a dit quoi? J'accepte de le céder. Je préfère que mon enfant vive dans les mains de l'autre. Elle a opéré dans la sagesse. Elle a aussi opéré dans le sacrifice. Elle acceptait avoir mal, mais laisser son enfant vivre la sagesse. Un père insensé fait honte. Une mère insensée fait honte. Une mère qui parle et qui parle des choses qu'elle ne doit pas dire fait honte. Un père qui parle et qui parle des secrets des enfants fait honte. Tout le monde dans le quartier sait que ta fille fait pipi au lit. Et demain tu veux qu'on puisse l'épouser. L'enfant fait pipi au lit, qu'est-ce que vous faites? Vous le tabassez. Tout le monde sait que vous le tabassez et on dit, pourquoi? Asuba kinambetu. Et tout le quartier. Et de deux, vous prenez le matelas. Yomokoko tandayango. Et il prend le gros matelas. Il le met sur le fil et tout le monde sait que c'est son matelas. Et dans tout le quartier, on sait, elle fait pipi au lit. Et puis quand maintenant elle a 20 ans, 25 ans, elle veut se marier. Mais tous les garçons savent qu'elle faisait pipi au lit. Et même si elle est guérie, on ne le saura pas. Alléluia. Alléluia. Vous dévoilez les secrets des enfants. Dans une causerie, tu sors le secret de l'enfant. Tu sors le secret de l'enfant. Toute la famille est au courant du secret de l'enfant. Moi, noé, atonda silina mutu. Où cet enfant est rempli de poux. Tout le monde sait que ton enfant a des poux. Pourquoi tu l'as dit que l'enfant a des poux? L'auto anesosilate, osana diprozone te maman. Tout le monde sait que l'enfant a des lotos. Tu ne peux pas garder le loto de l'enfant?
L'enfant vient se confier à toi et toi tu vas le dire. C'est terrible. J'ai vu même des mamans faire rater le mariage de leurs enfants. Un garçon s'approche de ta fille pour l'épouser. Et toi, tu es pris de joie, tu commences à tout dire. Tu as prié. Ah oui, hein? Et tu es étonné que ta fille a ses règles, elle ne t'a pas dit. Oui, il y a des mamans qui ne savent pas que leur enfant a commencé à avoir des menstruations. Parce que tu dis tout. L'enfant t'a testé. Maman parle trop, ne te dis pas. L'enfant tombe amoureuse d'un homme, ne va pas te dire parce que toi tu dis tout. Peut-être qu'elle est tombée sur quelqu'un de très méchant, de très mauvais qui peut détruire sa vie. Mais comme tu as brisé le lien de confiance, l'enfant ne te dit pas tout et l'enfant détruit sa vie. Est-ce que tu peux mourir avec le secret de tes enfants? Certaines même, c'est quand vous êtes en colère que vous sortez les secrets de vos enfants. Sortez les secrets de vos enfants. L'enfant te respecte et dit que maman m'aime, papa m'aime. Et il va, il te dit, et tu vas dire. Et des fois même, l'erreur que nous commettons, tu vas le dire même aux autres enfants. Quand un enfant se confie à toi, il n'a pas dit que tu le dises aux autres enfants. Il n'a pas dit que tu dises à l'aîné de la famille ou à leur grande sœur. Il est venu voir maman. Mais maman va dire au grand frère, à la grande sœur, « Oh non, c'est pour qu'on trouve la sagesse. » Et des fois, tu es étonné maintenant. Il se confie ailleurs, jamais à toi. Et puis, tu commences à te plaindre. « Je ne connais rien de sa vie. » Tu ne connais rien de sa vie. Mais parce que tu dis tout. L'amitié des enfants se mérite. C'est comme vraiment l'amitié avec un ami. Comment je respecte les principes de l'amitié avec des personnes qui sont externes à ma famille, mais quand tu as ton enfant comme ami, tu ne respectes pas les principes de l'amitié, c'est pareil. Quand mon enfant me dit que c'est un secret, c'est un secret. Des fois même, il peut me dire des choses, il me dit « ne dis pas à maman », j'ai dit « ah, il m'a dit des choses, je ne dois pas te dire ». Alors sonde-le de ta manière, hein, pour qu'il te dise, comme ça, on garde la confiance. Parce qu'il faut toujours garder la confiance de l'enfant. Un jour, il aura besoin de cela, mais tu as tout détruit. Par la sagesse, la discrétion, l'esprit de sacrifice. Lorsque Jacob doit affronter Ésaü, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses enfants et fait qu'ils puissent le précéder. Il se sépare des enfants et il va seul face à Ésaü pour dire, « Tue-moi, ne touche pas mes enfants. Je suis prêt à mourir, mais ne touche pas mes enfants. Fais grâce à ma famille. » Mais si tu veux me tuer, tue-moi, mais ne touche pas mes enfants. On élève les enfants avec un esprit de sacrifice et en état heureux de faire des sacrifices. Pas ces choses, tu payes les études, tu parles. Tu les nourris, tu parles. Tu offres des cadeaux, tu parles. Tu les vêtis, tu parles, tu parles. Tout ce que tu donnes est accompagné de murmures. C'est pourquoi même certains enfants ne veulent rien recevoir de leurs parents. Allô, Baraka. Ne te plains pas d'élever un enfant. C'est un bonheur. Alléluia. C'est un bonheur. Et l'enfant doit sentir que tu le fais avec joie. Il doit sentir que tu es prêt à te sacrifier pour lui. Pas que tu vas dans un restaurant, tu manges très très bien. Les enfants mangent les matemmelés à la maison. Combien de papas nous trouvons dans des restaurants? Ils peuvent manger un plat de 300$. Les enfants mangent le riz et le pondou du 1er au 30. Lui, parce qu'il travaille beaucoup, lui a le droit de se payer des 300$ de repas. Vaut mieux que tu manges peu, que tes enfants mangent beaucoup, parce qu'eux ont besoin de grandir, ont besoin de croître. Oh, donnez-moi la main, hein? Je suis contre ces choses-là en Afrique, où il y a la grosse assiette des papas et des petites assiettes des mamans et des enfants. Le papa mange le poulet, les enfants mangent l'odeur du poulet. Pire encore, dans certaines familles, les enfants ne mangent jamais à table. Famille de villageois. Mais oui, et des mamans qui ne mangent jamais avec leur mari. Toi, quand tu manges, tu es le commandant principal de la table. Mange avec ta femme et tes enfants. Même assiette, même nourriture. Même assiette, même nourriture et même quantité. D'ailleurs, eux, plus de quantité que toi.
Parce que tu es le père, tu es le leader. Moussouniya papa. Oyo ezalaki nzungu ya papa. Yango gelora yibaka kabia ngame myango. Et des niveaux très bas. L'opel est nanga ezawapi. Mbisio yezangi misu. Misu yambisi ke wapi. Papa Janine. Ozo luka misu yambisi. Na kingo ya soso. Na lipapu. Oza na maîtrise. Zoto ya soso. Pendant que baninga bon maîtrise ba mbongo, yozo maîtrise constitution du poulet. Interpréter pour rien, il y a des choses qui ne se disent qu'en lingala. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Dis village, 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 village. Village, village, village. Où tu as une assiette qui brille, les enfants des assiettes en plastique. Où toi, le verre, et c'est du plastique. Des vieilles choses. Et des femmes qui restent toujours à la cuisine. Elles préparent, elles n'est jamais là, elle est à la cuisine. Maman, tu prépares, tu t'assieds à côté de lui. Tu manges avec lui. C'est ton mari. Alléluia. Changez cela. Changez cela. Et c'est un bonheur que de faire des sacrifices. Il y a des papas que j'aime beaucoup dans cette église. Tu le vois, ils mènent une vie simple. Mais tu te renseignes, ses enfants étudient dans des bonnes écoles. Ah, chapeau. Tu la vois une sœur simple. Mais ses enfants étudient dans des bonnes écoles. Chapeau. Tu es un visionnaire. Alléluia. Tu vas à la maison, tu trouves, il y a tout pour les enfants. Le frigo est rempli. Mais lui-même, tu sens qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Chapeau, tu es un grand. Tu es un grand. Il ne faut pas que tes enfants aillent quelque part. Ils voient une pomme. Bon, comme ma pomme. Remets Adam à Ève. Pizza, pizza, pizza. Oui, ton enfant, dans les fêtes, tu pries. Au kangagourt. Eh, nous sommes moins noyaux. Ayo, ça m'a sonné. Eh, nous sommes moins noyaux, moins noyaux. Dans les fêtes, toi, tu transpires. Parce que ton enfant va en mode caterpillar. Il va planir tout. Quand c'est le self-service, vous allez regarder, Jésus. Ici, mettez, ici, mettez. Il n'y a plus de place, ajoutez, mettez. Ça fait vraiment une montagne comme ça. Et c'est que j'ai jamais compris ces gens-là. Quand ils font ça, ils rentrent en souriant, vous regardant, comme s'il a remporté une grande victoire. Honte à toi. Honte à toi. Ça prouve que les enfants ont faim. Honte à toi. Les vrais enfants, on dit, mange, je veux pas. Mange, je veux pas. Mange, je veux pas. Un peu, je veux pas. Ouais, 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 ouais. J'ai remarqué, quand il y a la pauvreté, on a très faim. La pauvreté vient toujours avec l'appétit. Je vous dis la vérité. Tu vois, sur une table, dans cette maison où la table est pleine là, les enfants ne mangent pas. Mais là où il n'y a que le foufou et le pondou, tu regardes comme ça, tu es comme ça, il n'y a plus. Ils ont une capacité, ils te coupent le foufou, une partie par ici, un peu ici. Et ils mangent même, c'est chaud. Ils ne se brûlent plus. Je connais tout ça. Il fut un temps, j'avais des appétits, moi. J'étais gnatonde. Donne tout à tes enfants si tu peux. Si tu peux, donne tout. Amène-les un jour à un restaurant. Qu'ils ne soient pas effrayés d'un restaurant. Amène-les. On ne va pas prendre ta fille parce qu'on l'a amenée dans un restaurant. Il y a des filles, tu l'amènes seulement au restaurant. Oui, oui, je t'épouse. Mais oui, tu l'amènes seulement au restaurant. Elle mange seulement même croissant. Et prendre du lait. Tu veux m'épouser? Oui. Oui, oui. Et toi, tout le temps, tu es dans des restaurants. Tes enfants, quand ils entrent dans des endroits classe, ils ne savent même pas comment se comporter. Ils ne savent pas. Ils mangent même les fleurs qu'on met comme décoration à côté des assiettes. Ils mangent les fleurs. Ils pensent que c'est la salade. Et puis, ils disent qu'on les a empoisonnés. «
Il faut les éduquer dans la vérité, sans tabou. La Bible contient un livre extraordinaire qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Un livre, entre guillemets, érotique. Hein? Si tu lis vraiment avec les yeux de l'esprit, tu lis Cantique des Cantiques, c'est un livre érotique. Mais c'est dans la parole de Dieu. Le père de Proverbes parlait d'une prostituée à ses enfants. J'ai entendu hier les couples, et vous voyez souvent les papas, eux, ils évitent de parler de ces choses-là. Mais je crois que papa et maman, à un certain moment, il faut avoir le courage d'en parler clairement. Comme un médecin, tu en parles à ton enfant, sans honte. Si nos parents ont eu honte de nous parler de sexualité, ont eu honte de nous parler d'ovulation, d'éjaculation et tout cela, pas quand nous, on a compris la parole de Dieu. Tu dois mettre de côté la honte parce que c'est que tu n'apprends, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va l'apprendre à ton enfant et va mal lui apprendre. Tu dois dire à ton garçon qu'à un certain âge, tu peux engrosser une fille. Tu dois dire à ta fille que la virginité, c'est un trésor, c'est un cadeau. Clairement, tu lui parles, tu lui parles. Et leur dire clairement, quand vous allez sur Internet, ne regardez pas la pornographie. Clairement, ne regardez pas la pornographie. Et pourquoi il ne faut pas regarder? Les conséquences qu'il y a derrière, la malédiction qu'il y a derrière. Le dire clairement. Parce que pendant que toi tu as honte, leurs amis à gauche et à droite leur présentent ça. Parce que tu peux contrôler son téléphone, mais tu ne contrôles pas le téléphone de son ami qui peut lui dire, regarde ça. Regarde, 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 regarde. Parce que tu peux avoir de la discipline dans ta maison. Mais dans la maison de ses amis, il n'y a pas de discipline. Et les parents les laissent regarder n'importe quoi. Et un jour, ils présentent ça à ton enfant. Par son téléphone, pas son téléphone, le téléphone de l'ami. Et si tu as eu honte de lui en parler, l'enfant tombe dedans et il tombe dans l'addiction. Mais toi, tu ne sais pas que l'enfant est addict. Parce que tu ne sais pas ce que l'enfant fait dans la chambre. Avoir le courage de le dire. Et si tu as une fille qui se développe trop vite par rapport à son âge, eh bien, il ne faut pas tenir compte de son âge. Tu dois lui parler. Je connais dans une famille, la fille, ce sont ces filles-là qui se développent trop vite. Tu lui donnerais même 20 ans. Mais elle a 15 ans. Mais les parents ont honte de lui parler de son corps. Alors, comme elle a la tête de 15 ans, elle s'habille des choses. Mais tu sens qu'elle est innocente dans sa tête, mais elle porte des choses qui sont scandaleuses. Pourquoi les parents ont honte? Non, tu mets de côté la honte. Tu dis, tu as 15 ans, mais tu n'as pas le corps d'un enfant de 15 ans. Ça. Clairement. Et tu le regardes dans les yeux. Parce que si l'enfant sent que tu as honte de parler sexualité, il aura honte de te parler de la sexualité. Bokata Moussissa sonne. Alléluia. Et en plus, l'enfant va te taper. Il va te taper. Il ne va pas te taper. Il va fuir. Non. Tout dépend de la manière dont tu abordes les choses. Mais s'il te voit en train de transpirer avant de parler. Alléluia. Quand ma fille a ses menstruations, je le sais. Je le sais. Je dis, ah, tu as mal au ventre. Ok, courage, hein. Courage, hein. Les femmes, c'est comme ça, hein. Courage, les femmes sont comme ça. C'est tout. Parce qu'avant, j'étais bleu. Je venais, je vais prier. Horia brosibre. Là, je me dis, hey. C'est ça. Et depuis, j'ai compris et je sais. Et puis, je ne la dérange plus. Je la dis, c'est bon, courage, ça va passer. Et comme elle sait que je sais, elle est à l'aise. Parce que des fois, elles ont honte d'expliquer des choses qu'on n'explique pas. Si vous êtes allé au ciel, revenez. Vos enfants sont encore sur la terre. Parce qu'il y a des parents qui sont très à l'aise avec les anges, avec le Saint-Esprit. Quand l'enfant lui parle de, j'ai eu ma période là. Eh, ma période, ma période, yunta. Nin. Zélo. Est-ce qu'il y a un truc là, des graves là, vraiment derrière? Il n'y a rien. Quelle question un enfant peut poser à ses parents et puis tu trouves que c'est grave? Il n'y a rien. Et ça, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que l'enfant va te poser comme question? Oh, les enfants, on les fait comment? Mais tu dis, c'est moi la vérité, non? Oh, Dieu les envoie et il les dépose dans les ventres. Après, Dieu va dire, papa, tu nous mentis, hein? Tu nous mentis. À un certain âge, on ne dit pas aux enfants que les enfants viennent du ciel et tombent dans les ventres des mamans. Hein?
Tu veux élever les enfants en disant que les anges déposent des enfants. Oh, les mamans, ils accouchent comment? Eh, les enfants, maman, ils accouchent comme ça par la bouche. Bah! Ils vomissent les bébés. Ah, vous m'avez vomi, hein? Elle ira à l'école, on va lui montrer, dit, les parents sont des menteurs. Et dans sa tête, les parents sont des menteurs. Comme maintenant tu parles. Alors, à un certain âge, tu peux donner des codes. Mais quand les enfants grandissent, tu dis les choses clairement, mais tu le dis proprement. Alléluia. Avec classe, avec finesse. Mais au moins, l'enfant sait que papa, maman me donne la vraie connaissance. Et lorsqu'il voudra la vraie connaissance, il viendra vers toi. Vous devez savoir aujourd'hui, il y a du lesbianisme même dans les écoles. Vous savez ça? Du lesbianisme. Hein? Tu peux être là, tu penses que tu dois protéger ta fille des garçons, alors que tu dois la protéger des filles. Il y a tout un réseau de lesbiennes dans les écoles, si vous ne savez pas. Des jeunes filles, 15 ans, 16 ans, qui sont dans le lesbianisme. Mais non, elle va dans les toilettes et son amie la touche bizarrement. C'est déjà bizarre qu'une autre fille, comme elle la touche comme ça, elle aimerait venir te dire. Mais déjà, toi, tu as honte de parler de ça, c'est menstruation. Maintenant, comment va te parler des lesbianismes? Elle se bat avec, elle se bat avec, elle se bat avec. Et un jour, tu es étonné, ta fille tombe dans le lesbianisme à cause de ta honte. Waouh! Évoluons pour finir. Il faut aimer les enfants et les élever dans l'amour sans injustice ni préférence. L'un des problèmes dans la famille de David, c'était l'injustice. Amnon couche avec sa sœur et il n'est pas trop dur. Absalom, qui est le vrai frère de Tamar, décide de tuer Amnon. Pourquoi? Parce que papa était tolérant. Il avait une préférence. Il aimait beaucoup Amnon et pouvait laisser Amnon faire du mal à sa demi-sœur. Ne préfère jamais un enfant par rapport aux autres. Lorsque tu préfères un enfant par rapport aux autres, les autres vont se liguer contre lui. C'est ce qui est arrivé même dans la famille de Joseph. Je me dis, Jacob, si tu aimais Joseph, il fallait le cacher. Mais tu lui fais porter même un habit qui démontre ta préférence. On sait que c'est l'enfant préféré de papa. C'est pourquoi les autres se sont ligués. Lorsque tu as plusieurs enfants et tu montres que tu l'aimes lui, les autres vont se liguer contre lui. Des fois, on préfère l'enfant qui est le plus beau. On préfère l'enfant qui est le plus intelligent. On préfère l'enfant qui nous écoute le plus. On préfère l'enfant qui a réussi. Mais, mes frères, nous devons aimer tous les enfants de la même manière, quelles que soient leurs différences et leurs défauts. Parce que celui qui, pendant qu'il est enfant, ne réussit pas à l'école, peut-être lui va réussir dans la vie. Parce qu'il y a des enfants qui échouent à l'école, mais qui réussissent dans la vie, hein. Et d'autres qui réussissent à l'école mais qui échouent dans la vie. Maintenant, si vous avez dédaigné et méprisé celui qui échoue à l'école, mais lui demain devient un grand homme d'affaires, il ne va même pas aider son frère, rien que pour se venger de l'injustice. Soyez toujours dans l'équité. Même si des fois tu veux tomber dans un piège de préférence, ne le fais jamais. Et ce qui est bizarre, c'est que certains parents le disent clairement. Clairement, vraiment, tu dis clairement. Moi, je préfère tel. Tu imagines la douleur que ça peut causer dans le cœur d'un enfant d'entendre son propre père, sa propre mère dire bah, « je préfère tel ». Quand tu dis « je préfère tel », tu peux cesser d'être la mère et le père de l'enfant qui a entendu. Ah oui, pour lui c'est fini, parce qu'il sait qu'un parent ne préfère pas donc. Tu n'es pas mon père. Et l'enfant vit avec toi, mais dans sa tête, tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Ne préférez jamais. Quand tu achètes l'habit à celui-ci, tu achètes à celui-là. Quand tu achètes les chaussures à celui-ci, tu achètes à celui-là. Quand tu donnes ceci à celui-ci, tu donnes à celui-là. Tu amènes celui-ci au restaurant, tu amènes l'autre au restaurant. Tu causes avec celui-ci, tu causes avec celui-là. Tu donnes des compliments à celui-ci, trouve un compliment à donner à l'autre. Que ce soit toujours équitable. Comment? Par la foi et la déclaration prophétique. Apprenez à bénir vos enfants. Et à leur dire, vous serez grands. Vous ferez des grandes choses. Dans cette famille, aucun ne sera bouffé par la sorcellerie. Alléluia.
annoncez des paroles qui précèdent vos enfants dans leur futur comme Jacob l'a fait, de sorte que Judas a engendré Jésus. Dis à ton enfant, tu réussiras, tu vieilliras, tu seras grand, tu seras grande, tu vas bouger le monde. Et dis, papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, tu vas être grand, tes enfants seront grands. Bénissez les enfants, ne les maudissez pas, parlez, et quand l'Esprit de Dieu te révèle, crois-le et prophétise. Dis à ton enfant, Dieu m'avait dit que tu seras ceci. Ose le dire. La déclaration prophétique, la foi, la foi. Quel est cet entraîneur qui amène 22 joueurs dans un stade et il leur dit, je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Cette équipe va perdre. Tu es un entraîneur. Tu dois bien parler à tes enfants. Voyez comment les coachs parlent. Nous allons gagner, nous allons les battre. Nous sommes la meilleure équipe. Dis ça à tes enfants. Dis ça à tes enfants. Tu es fort, tu es capable, tu y arriveras. Tu seras premier, jamais dernier. Tu es grand, tu seras toujours en bonne santé. Cette maladie va partir. Dieu te protège, Dieu te garde. Je vois en esprit que tu seras ceci. Dites des bonnes choses et dites des bonnes choses et dites des bonnes choses. Ne dites pas ces choses. Moi non Ndumba, moi non Kuluna. Arrêtez de dire ça. Lorsqu'un parent libère des mauvaises paroles sur son enfant, le diable les saisit et les accomplit. Un jour, une maman, son enfant avait commis un forfait. Et l'enfant s'est enfui. Et la maman poursuivait l'enfant. Et l'enfant allait tellement vite. Elle a crié, c'est-à-dire, attrapez-moi cet enfant. Directement, une voiture est passée par là et l'a tué. Ton enfant étudie, tu dis qu'il est bête. Ta fille veut se marier, tu lui dis qu'elle n'est pas belle. Tous les défauts que ta fille connaît d'elle sont sortis de ta bouche. Tu ne marches pas bien, les habits ne te vont même pas, les blouses ne te vont pas, les mèches ne te vont pas. Regarde, derrière, tu as un nez. Ton nez, c'est comme le nez de tes tantes. Regarde ton cou. Le cou, c'est comme celui de tes oncles. Comment une fille peut ressembler à des garçons comme ça? Une maman. Tu t'entraînes aux insultes sur tes enfants. Ton garçon te dit, je vais faire. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu fais faire quelque chose. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire ça? Que tes enfants trouvent du découragement partout, mais jamais dans la maison. Que tes enfants trouvent du découragement partout, mais jamais dans la maison. Jamais. Et ne laisse jamais un enfant décourager un autre. Jamais. Parce que c'est une sémence à vie. Jamais. Par l'organisation et la planification. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup, mais il faut s'organiser. Vous voyez, je suis là aujourd'hui, maman Blanche n'est pas là, parce qu'elle doit rester à la maison pour prendre soin du bébé. C'est une organisation. Dimanche, elle viendra. Elle va venir avec l'enfant. On s'organise. Comment je peux à la fois servir Dieu, mais que mes enfants soient bien éduqués? Alors des fois, on fait des tours. Il y a un temps, elle se repose. Et je prends soin. Il y a des temps, je travaille comme c'est moi qui sort souvent. Elle reste pour donner la base. Il faut s'organiser. Quand tu es tout le temps sorti, tu peux dire, comme je sors le soir, le matin, je me dispose pour les enfants. Si cet enfant se réveille très tôt, avant qu'il n'aille à l'école, je dois être là, prier pour l'enfant, voir comment il s'est habillé pour aller à l'école. S'organiser, planifier. Demain, je vais faire sortir toute la famille. Le matin, on va aller dans un restaurant manger. Pourquoi? Parce que je voyage lundi pendant une semaine. Et en famille, on doit être là, planifier. Le restaurant ne viendra pas dans votre maison. C'est vous qui irez vers le restaurant. Vous devez planifier et aller au restaurant. Je répète, le restaurant ne viendra pas dans ta maison. C'est toi qui iras vers le restaurant. Et si tu ne planifies pas d'amener toute ta famille au restaurant, vous n'irez jamais au restaurant. Ça se planifie. Ça se planifie. Ça se prépare. Les vacances en famille se préparent. Il y a des familles qui ne vont jamais en vacances, même pas ici à Mwanda, même pas ici, ça s'appelle où Safari Beach. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne planifient pas. Ils planifient acheter des maisons, acheter des voitures, mais il n'y a pas un plan vacances en famille. Ça passe, vacances en famille, ça marque toujours. Ça marque toujours quand vous quittez chez vous. Et vous allez tous ensemble dans un endroit. Même pendant 3 jours, les enfants sont marqués. Et eux aussi, demain, lorsqu'ils vont fonder des couples, ils amèneront leur famille en vacances. Planifiez des vacances.
Planifier des sorties, planifier cela. Planifie le temps pour être avec tes enfants. Planifie le temps pour les écouter. Si tu ne planifies pas, le temps-là ne viendra jamais parce que nous sommes toujours super occupés. Toujours super occupés. La Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour chercher l'argent, mais un temps pour écouter les enfants, un temps pour sortir avec la famille, un temps pour se consacrer aux enfants. Si tu réussis partout dans la vie, mais tu échoues en tant que père de famille, en tant que mère de famille, eh bien cela touchera même ton autre réussite. Et écoutez encore ceci, par des mises à jour, dites mises à jour. La Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, il a dédaigné la gloire qu'il avait en Égypte. Il a préféré être avec des esclaves, il a préféré l'opprobre de Christ que la gloire de l'Égypte quand il est devenu grand. Mais qui a élevé Moïse? C'était la fille de Pharaon. Elle devait se mettre à jour par rapport à la maturité de Moïse. Chers parents, il y a une manière d'éduquer un enfant de 10 ans. Il y a une autre manière d'éduquer un enfant de 12 ans. Il y a une autre manière d'éduquer un enfant de 18 ans, de 20 ans. Des fois, les parents ne voient pas que les enfants ont grandi. Et nous manquons ce qu'on appelle la mise à jour. Hier, je pouvais donner un petit nom à mon enfant et l'appeler avec son petit nom devant tout le monde. Mais quand il grandit, je ne peux pas l'appeler. Si tu avais un petit nom que tu donnais à ton enfant, là, c'était un nom qui l'énervait un peu. Mais quand il avait 10 ans. Mais quand il grandit, tu prends le petit nom là, qui l'énervait là, et tu le lances, tout le monde prend ça. Alléluia. Hier, tu gueulais sur l'enfant, mais quand l'enfant grandit, tu ne lui parles plus comme ça. Mon père aujourd'hui ne peut pas me parler comme il me parlait quand j'étais chez lui à la maison. Il a un ton de voix, il a une manière de me parler. Il ne va pas me dire, Marcelo, viens chez moi. Il ne va pas le faire, il sait que je suis chef. Elle dit, est-ce que tu peux passer? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que ton emploi du temps te permet? Pourquoi? J'ai grandi, mise à jour. Tu aimais porter tes filles à un certain âge? Oui, tu peux les porter. Mais quand elles grandissent, tu ne vas pas porter ta fille comme quand tu l'as portée. Nous, on n'est pas des blancs. Ta fille là de 25 ans, sur tes genoux, et tokangondoki. Alléluia. Avant, tu entrais dans les chambres des enfants sans toquer. Ils étaient des petits. Mais quand ils grandissent, tu dois toquer avant d'entrer. Pourquoi? Mise à jour. Mise à jour. Tu dois te mettre à jour par rapport à la croissance des enfants. Parce que si tu ne te mets pas à jour, tu vas détruire leur maturité. La fille de Pharaon s'est mise à jour par rapport à la maturité de Moïse. Il ne préférait plus être avec les Égyptiens. Il préférait être avec son vrai peuple. Et il faut les élever ensemble. Des fois, on dit que ce sont les mamans qui doivent élever les enfants. Non, papa et maman. Paraît-il, mes frères, que les hommes qui ont fait souffrir la terre, la plupart n'avaient pas un père. Ils ont manqué l'autorité paternelle. Et lorsque les pères, aujourd'hui, nous abandonnons les enfants aux mères, il y a une case vide dans leur éducation. Qui fera qu'eux aussi ne seront pas des bons pères parce qu'ils n'ont pas été éduqués par des pères, ils ont été éduqués par les mères. Et la mère, des fois, elle couvre trop les enfants, elle protège trop les enfants. Et ça fait que ça engendre des enfants faibles. Il faut que papa éduque, maman éduque, papa éduque, vous vous complétez. Mais pas prendre les enfants, tu les jettes à maman, tu t'en occupes, moi je vais chercher l'argent. Non, tu n'es pas qu'un père pourvoyeur, tu es un père éducateur. Papa, j'aimerais vous parler. Est-ce que vraiment vous éduquez vos enfants? Parce qu'il peut se faire que cette convention, c'est une convention des mamans. Que le papa est à côté de sa femme, dit tu écoutes, hein? Tu écoutes, hein? Tu écoutes, hein? Vraiment, je te confie tout. Tu écoutes, hein? Tu écoutes, hein? Et toi, c'est quoi? Moi, j'étais accompagné. Non, ensemble, il faut les éduquer. Ensemble, il faut les bâtir. Sans se contredire. Comme on nous a enseigné hier, le papa punit. Maman, tu ne peux pas enlever la punition sans en parler au père. Et d'ailleurs, voici, si maman punit, papa, tu ne viens pas aussi enlever. Parce que si tu enlèves la punition, tu détruis l'autorité de l'autre. Quand papa punit, c'est papa qui enlève. Quand c'est maman qui punit, c'est maman qui enlève la punition.
et il faut être en bonne santé et avoir les moyens financiers. Lorsque nous lisons Proverbe 31, verset 25, la Bible dit « Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. » La femme vertueuse est revêtue de force et de gloire, il faut être en bonne santé. Chères sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariées, vous devez savoir que la santé joue un très grand rôle dans le mariage. C'est pourquoi veillez sur votre manière de vous nourrir. Et vous voyez avec ce que le pasteur Colin nous a dit, aujourd'hui on mange mal. Et beaucoup de femmes ont des fibromes, beaucoup de femmes ont des myomes, beaucoup de femmes n'ont pas beaucoup d'énergie. Elle peut seulement torchonner un peu là, elle est fatiguée parce qu'on se nourrit mal. Coca, dindon. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a dans les dindons vraiment? Elle a dit, vous serrez la tête et non la queue. Mais vous... vous mangez ça, vous mangez ça, et ça fait qu'il n'y a pas de force. Demandez aux femmes qui sont là. Prendre soin rien que d'un bébé, si tu n'as pas la force. Au bois qui. Surtout s'il est en bonne santé, c'est un bébé vigoureux. Hey. Mon bébé là, il a maintenant 12 kilos. Il a 8 mois, 12 kilos. Quand je le transporte comme ça, au sentier, tu sens vraiment ça, c'est chaud, tu changes. Mais lui, il bouge comme si tu étais un arbre. Mais pendant que je suis ici, qui est en train de le porter? Si elle n'est pas forte, la santé. C'est pourquoi, cher papa, donnez le temps à vos femmes aussi de se reposer. Une femme qui ne se repose pas ne peut pas prendre soin d'un enfant parce qu'elle n'a pas le temps de se ressourcer. Des fois, quand maman dort, laisse-la dormir, arrête de déranger. Praise God. Un homme m'a fait rire. Une femme vient me voir et dit, pasteur, j'ai un problème. Mon mari, il a dit, comme il me nourrit, il doit me connaître tous les jours. Vraiment, lié sa punda, lié sa yo. Donc, il dit toujours, tu manges ici, comme tu manges, tu donnes. Comme tu manges, tu donnes. Donc lui, si tu es nourri, et une femme pareille, comment elle aura la force? Chers célibataires, vous qui voulez à tout prix vous marier pour la sexualité, non, des fois on saute des jours. Sinon, vous allez fatiguer vos femmes. Et vous aurez des femmes tout le temps faibles qui ne savent pas prendre soin des enfants. Parce que cela demande aussi de l'énergie, de la santé. Vous devez le savoir. Et si vous, votre travail, quand vous allez vous marier, c'est la sexualité, pauvre femme. Ce sont des choses à dire. Parce que beaucoup dans les couples, quand on bénit des mariages, tu vois une semaine après, deux semaines après, la femme est malade. Vous pensez que ce sont des attaques démoniaques. Le frère pense qu'il est allé travailler. Si, la voit seulement, comme un coq. On ne fait pas que ça dans la vie, on cause, on se repose aussi. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement coucher ensemble. Hein? Parce que certains disent, tolo, ma ramote tolobi. Reposez vos femmes. Ta femme a le droit de dire je suis fatigué. Mais toi, papa, quand tu es fatigué, il faut qu'on te comprenne. Non, j'ai beaucoup travaillé depuis le matin, je suis fatigué. Toi, il faut qu'on te comprenne, mais toi, tu ne comprends jamais. Égoïste, tu es un égoïste. Quand tu couches avec une femme trop fatiguée, elle ne se donne pas totalement. Elle te laisse faire et puis t'as fini. Mais quand elle est forte, elle se donne aussi et il y a plus de joie. Mais quand vous, c'est un travail. Donc comme tu as mangé, donc tu dois manger. Comme tu... Alors quand maintenant, il y a des enfants, elle doit prendre soin de la maison, elle doit prendre soin de toi, tu as une femme KO. Il y a des femmes qui sont fatiguées parce qu'ils ont un mari qui ne comprend pas que c'est un être humain. Toi, quand tu finis là, bah, tu pars. Elle reste avec les enfants, la maison et tout, et tout, et tout. Et quand tu pars là, tu as des stress quand tu reviens encore à atterrissage. Hein? À l'aéroport, elle m'a dit, atterrissage, c'est ça la hâte. Nakati Bobande Ogason. Donc, si tu as le suscité, point moussousou. Alléluia.
C'est pourquoi vous devez bien manger dans le foyer. Amen. Hein? Les mariés ne mangent pas là coca, 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 Fanta, biscuit, biscuit. Vous allez mourir. Vous allez attraper des hémorroïdes. Je suis en train de vous parler. Hein? Un marié ne mange pas comme un célibataire. Hein? Tu dois bien te nourrir comme un sportif. Oh, la vérité. Hein? Un jour, un pasteur, il a fini de faire tomber toute l'église. Sa femme l'a suivi. Moi aussi, fais-moi tomber. Parce que toi, tu as fait tomber tout le monde. Moi aussi, tu me fais tomber. Lui, il fait tomber toute l'église. À la maison, lui, on lui donne tekitida. Nous parlerons d'autre chose quand on ne va pas filmer tout, de ces problèmes-là d'éjaculation précoce, des impuissances, des hommes qui, après 3 minutes, ils ont atterri, l'avion vraiment est par terre. Ça, on parlera un jour, mais comme il y a la télévision, il n'y a pas moyen de parler. Alléluia. Mais ce n'est pas normal, papa. Hein? Toi, tu as atterri, l'autre est dans les airs. Maintenant, alors qu'il t'en a parachute, n'a escalier. Toi, tu dors, l'autre est dans les airs. C'est une dette, hein? La Bible dit que la femme, que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est une dette. Quand tu as une femme insatisfaite, tu as une dette. Tu as une dette. C'est pourquoi ta femme est tout le temps en colère. Tu parles comme ça, elle te répond mal. Tu parles comme ça, réponds mal. Tu es un endetté. Ah oui? Parce que des fois, les hommes, vous vous concentrez. Ah, je vais acheter ça. Mais tu as une femme qui est insatisfaite. C'est une dette. Tu dois régler le problème là. Tu dois régler ça. S'il faut des conseils, chercher des gens, tu dois régler ce problème là. Parce que quand tu as une femme insatisfaite dans ta maison, si Satan l'attaque, elle peut sortir dehors. Alléluia. Papa, dis-moi tout. Hein. Aussi, pour terminer, il faut le faire très tôt. Et le dernier point, le faire très tôt. Il y a un philosophe qui a dit, il a demandé à la société de lui donner l'enfant, les enfants avant 7 ans. Il dit, donne-moi les enfants avant 7 ans et vous verrez ce que j'en ferai. Paraît-il qu'il est démontré sur le plan psychologique que si tu peux modeler un enfant de 0 à 7 ans, eh bien cette formation va l'accompagner toute sa vie. C'est pourquoi nous devons avoir des écoles. Alléluia. Et nous aurons une école compassion d'ici là. Alléluia. Lorsqu'on va finir le temple, nous allons avoir une école où on modèle les enfants. On a la maternelle, on a l'école primaire et à temps, on inculque des valeurs. Arrêtez de négliger vos enfants lorsqu'ils ont entre 0 et 7 ans. Et vous êtes là seulement bébé. Il y a des parents qui font ça avec les enfants. Tu peux lui inculquer même la propreté. Un bébé, oui. Il y a des bébés quand il est sale, il pleure, tu dois le laver. Tu lui inculques la propreté. Mais quand tu laisses un enfant sale du matin jusqu'au soir, tu crées la saleté. Mais quand tu le laves souvent, il ne va plus supporter la saleté. Quand tu le nourris toujours la même nourriture, tu ne crées pas en lui un esprit d'innovation. Mais quand tu changes de régime alimentaire de l'enfant, tu lui inculques la nouveauté. Lorsque tu parles à un enfant, même s'il est bébé, tu utilises vraiment le langage des adultes, tu lui parles, il parlera très très vite parce qu'il entend. Mais quand tu fais que des cris, hé bébé, il sera muet. Oui, il faut parler à l'enfant pour qu'il parle. Alléluia. Il y a tellement de choses, donc il faut le faire à temps. Et la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alléluia. Très tôt, inculque les valeurs à l'enfant. Très tôt, parle-lui. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'on ne fait pas ça. On n'insulte pas. On ne vole pas. Dis ça à temps. Et lorsqu'il grandira, ce sera tellement des valeurs imprégnées en lui qu'il ne va pas s'en détourner. Oh mes frères, en écoutant tout ça, tu dis, est-ce que c'est possible de faire tout ça? Alors voici la vérité, c'est très difficile. Je pouvais même continuer jusqu'à 1h du matin. Il y a tellement de choses à faire. Déjà être un conjoint, c'est difficile. Déjà prendre soin d'un homme, d'une femme, sans les enfants, c'est déjà difficile. Maintenant ajouter des enfants, c'est très difficile. C'est pourquoi il faut l'aide de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. Parce que rien que prendre soin de Blanche, c'est difficile pour moi. Blanche, prendre soin de moi, c'est difficile. Mais quand on y met les enfants, alors la difficulté devient énorme. Mais ne baissez pas les gardes. Comptez sur Dieu. Demandez à Dieu la force. Parce que, mes frères, si à cause de ces difficultés,
Vous dites, c'est pas possible d'élever les enfants. Sachez que la nature a horreur du vide. Et le vide que vous laissez sera comblé par les Illuminati. Voici le projet des Illuminati. C'est surcharger les parents afin qu'ils n'aient plus le temps pour les enfants, pour que les parents leur confient les enfants et qu'ils puissent inculquer des mauvaises valeurs d'homosexualité, de lesbianisme, des enfants qui vont choisir un jour s'ils sont garçons ou filles, ou des enfants qui ne respectent pas les enfants, les parents, des femmes qui ne respectent pas leur mari. C'est pourquoi aujourd'hui la société européenne est détruite, parce que les parents tous de partent et prennent les enfants, les laissent entre les mains de la société et on leur inculque des valeurs d'homosexualité, de lesbianisme. Quelle que soit la difficulté, tu dois te battre pour éduquer tes enfants. Quelle que soit la difficulté, même si tu es débordé, montre à Dieu que tu te bats. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bats-toi et bats-toi et bats-toi. Si tu n'y arrives pas, tu vas y arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Mais montre à Dieu que tu te bats, que tu te bats, que tu te bats, que tu te bats. Parce que si tu ne te bats pas, la société, les amis, les voisins, la télévision, l'internet vont faire ton travail. Mais si tu as déjà fait ton travail, lorsqu'ils viendront faire le travail, ton travail va tamiser leur travail. Ton travail va réguler ce qu'ils vont faire. Ainsi, ton enfant aura le choix entre le bien et le mal. Mais si ton enfant n'en voit que le mal, comment il saura que le mal et le bien est bien? Battez-vous, battez-vous. Et chaque fois que vous désirez vous marier, vous qui êtes célibataire, sachez que le mariage est un combat. C'est un combat, c'est un combat. Élever un enfant selon le Seigneur, c'est un combat, surtout en ce temps de la fin, avec ces universités détruites, avec ces écoles détruites, avec la télévision, l'internet, toutes ces choses. Il faudrait que toi tu te battes à inculquer des valeurs. Tu ne vas pas mener ton enfant à ne vivre qu'à l'église, être tout le temps les codimes, être dans une boîte. Il doit sortir, mais lorsqu'il sort, il doit avoir la connaissance, il doit être rempli de l'esprit, il doit être protégé, il doit être sous le sang de Jésus, il doit être sous le feu de l'esprit. C'est pourquoi réveille-toi la nuit, prie, jeûne, fais alpha 21, fais alpha 40, mets tes requêtes, mets tes enfants dedans, jeûne, prie, bats-toi. Lorsqu'un enfant dort et il dit j'ai eu un cauchemar, dis-lui raconte-moi le cauchemar, détruis cela. Lorsque tu pries et que ton enfant te dit « J'ai vu cela, écoute cela, détruis cela », sois l'intercesseur de la maison, sois le prophète de la maison, sois le leader spirituel de la maison. Et si le culte familial est mort, rétablissez le culte familial, rétablissez le culte familial, rétablissez l'autel de l'Éternel dans vos maisons, rétablissez le culte familial, rétablissez la Bible à la maison. Parlez Bible, parlez Jésus à la maison, parlez Saint-Esprit, parlez les anges. Arrêtez de critiquer les gens dans vos maisons. Arrêtez d'écouter la musique mondaine dans vos maisons. Arrêtez de boire l'alcool dans vos maisons. Mais que la sainteté de Dieu remplisse vos maisons. Et ce que tu dis, pratique-le. Ce que tu dis à tes enfants, fais-le. Et si tu as mal fait, présente des excuses. Si aujourd'hui, tu n'as pas pu être un bon père, demain tu seras un bon père. Si aujourd'hui, tu n'as pas pu être une bonne mère, demain tu seras une bonne mère. Je crois en toi. Je crois en toi. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que tu puisses les perdre. Dieu ne t'a pas donné une famille pour que tu puisses la détruire. Et tu prieras et Dieu t'aidera. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il faut dire à Dieu, aide-moi à élever ses enfants. Aide-moi à protéger ses enfants. Aide-moi à éduquer ses enfants. Je ne veux pas que mes enfants finissent en enfer. Je ne veux pas que mes enfants fassent la honte de l'église. Et je le crois, que ce que je ne peux faire pour eux, Dieu le fera pour eux. Et je le crois, ce que je ne peux faire pour eux, le Saint-Esprit le fera pour eux. Et je le crois, que s'ils sont dans un endroit où je ne suis pas, la puissance de Dieu les protège, la puissance de Dieu les garde. Battez-vous, 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 battez-vous. Lorsque tu vois ton enfant qui commence à dévier, fais comme David. Va dans la gueule du lion. Arrache l'enfant. Lorsque tu vois ton enfant commence à se pervertir, va dans la gueule de l'ours. Arrache l'enfant. Ne dis pas, cet enfant est perdu. Il n'est pas perdu. Va l'arracher. Va l'arracher.
et apprend même à lui annoncer le contraire de ce qu'il fait. Il est dans la drogue, tu lui dis, toi tu es un serviteur de Dieu. Et les prostituées, tu dis, toi tu es une grande servante de Dieu. Car Dieu est capable de voir dans le possédé de Gadara un apôtre. Il est capable de voir dans le persécuteur un apôtre. Il est capable de voir dans la pécheresse une grande disciple. Et tu dois avoir le regard de Dieu sur tes enfants afin de voir leur futur. Même s'ils sont dans le mal, même s'ils sont dans le péché, tu dois annoncer leur futur. Que de ta bouche ne sortent jamais des mauvaises choses sur tes enfants. Que de ta bouche ne sorte jamais la malédiction. Jamais le découragement. Mon enfant, des fois, il me raconte des choses. Tu sens que ça, c'est un rêve d'enfant. Mais comme il rêve, je l'encourage dans son rêve. Quand il grandira, il se rendra compte que ce n'était qu'un rêve d'enfant. Si ton enfant te dit un jour, papa, j'aimerais faire une navette spatiale qui ira sur la lune, pourquoi tu le décourages? Dis oui, fais. Elon Musk, il est comme toi. Tu fais. Mais ne dis pas, hey, c'est pas possible. Est-ce qu'un Congolais, pourquoi tu dis ça à l'enfant? Laisse-le rêver. Laisse-le rêver. Tout ce que je dis, c'est dur. Même pour moi, c'est dur. Il m'arrive de matin à mon frère, tu dois prier. Pendant que tu pries, tu entends le bébé qui pleure. Tu arrêtes de prier et tu vas voir le bébé qui pleure. Sa maman est fatiguée parce qu'elle a porté pendant toute la journée. Et tu arrêtes de prier et tu le portes et tu pries en le portant. Et tu pries dans le cœur en le portant. Tu pries, mais tu dois préparer ta prédication. Mais je ne veux pas ne pas prendre soin de l'enfant parce que je dois prêcher. Mais je dois bien prêcher aussi. Je dois aussi porter le bébé. Je dois avoir la force de prêcher. Mais je dois aussi le porter. Je dois aussi manger. Je dois aussi me préparer. Je dois. Après avoir prêché ici, quand je vais rentrer, je vais encore le porter. Mais je dois le faire avec joie. Mais je dois aussi prier. Et demain, je dois les faire sortir. Mais dimanche, je dois prêcher 3 cultes. Et lundi, je dois aller. Et je dois causer avec celui qui a voyagé. Comment ça va là-bas? Et l'autre. Et puis leur mère. Et puis tes frères. Et puis tes sœurs. Et puis ta maman. Et puis l'église. Et puis les extensions. Et tu vois, ton WhatsApp, 1000 messages non lus. Tu dois répondre aussi sur WhatsApp. Et quelqu'un t'appelle. Et celui-ci, il a le deuil. Celui-là, une maladie. Celui-là, un problème. Telle extension t'appelle. Ton enfant, ta femme, ta belle famille, ta famille, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes invitations. Telle église. On t'insulte sur Internet. Et les enfants, et tout. Si tu craques, tout tombe. Tu dois te battre. Et tu connais ma devise. Aujourd'hui seulement, je serai un bon père. Aujourd'hui. Je serai un bon père. Aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. Mais aujourd'hui, je serai un bon père. 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 Et c'est beau quand tu entends de la bouche de tes propres enfants qui le disent. Je suivais une vidéo dernièrement. C'était hier. Et puis il y a quelqu'un qui disait, les pasteurs des aventuriers. Et Chifra, mangez avec moi. Elle a entendu. Mais pourquoi elle dit ça? Tous les pasteurs ne sont pas des aventuriers. Toi, tu es un bon papa. Regarde, tu es là avec moi. J'ai dit, ouais, toi-même, tu vois. Ça, c'était un bon témoignage. Ma fille sait que même si on peut dire que je suis un faux pasteur, je suis un bon papa. Et tu sais, dans la vie, quand tu traverseras des moments difficiles, si tu as donné du temps à tes enfants, ils vont devenir ton équipe qui te fortifie. Papa ne les écoute pas, tu es un homme bien. Papa ne t'en occupe pas, nous sommes là. Papa arrête de suivre ça, nous sommes là. Ils deviennent ton équipe. Et quand ils grandissent, ils deviennent ton armée. C'est quand Jacob, ses enfants étaient devenus son armée. Investissez en eux, ne vous plaignez pas. Même si leurs études peuvent coûter cher, même la nourriture coûte cher, les habits qu'ils te demandent coûtent cher, fais-le avec joie. Et si tu ne peux pas tout donner, donne le peu que tu as. Mais ne murmure jamais. N'ajoute jamais des paroles de murmure sur ce que tu fais pour tes enfants. Fais-le toujours avec joie. Et sache, si demain ils seront reconnaissants, gloire à Dieu. S'ils ne vont pas être reconnaissants, gloire à Dieu. En soi, tu n'as rien fait pour eux. Tu as fait tout pour Dieu. Pourquoi? Dieu te l'avait confié. Ce sont les enfants de Dieu. Ils sont seulement passés par toi pour venir sur la terre. Mais ils appartiennent à Dieu. Toi, tu as servi Dieu. Tu as pris soin d'eux. S'ils seront reconnaissants, gloire à Dieu. S'ils ne le seront pas, Dieu a vu que tu étais une bonne mère, tu étais un bon père. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Excusez-moi pour le débordement. La matière était trop vaste. Il fallait vraiment qu'on puisse l'épuiser. Prions le Seigneur. J'invite tous les couples qui sont présents. Approchez-vous, je vais prier pour vous. Couples, venez. Les familles qui sont venues ce soir, approchez-vous. Vous qui êtes venus en famille, tu es venu avec ta fille, tu es venu avec ton père, ta mère, tes soeurs. Approchez également. J'aimerais prier pour les couples et pour les familles. Même vous qui nous suivez à la télévision et sur Internet, tenez-vous les mains. Vous qui êtes en famille, nous allons prier. Seigneur Jésus, ce message est difficile. Il est difficile. Car ce n'est pas facile de prendre soin d'un humain. Car toi-même, Jésus, tu as dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Tu as dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donne-nous de l'amour pour nos enfants. Donne-nous de l'amour pour les membres de nos familles. Donne-nous la capacité, Seigneur, de les élever. Donne-nous la capacité de prendre soin avec amour, sans tristesse ni regret. Fais de nous des bons pères, des bonnes mères, des bons enfants. Bénis chaque famille qui est venue t'écouter ce soir. Restaure les familles qui ont des difficultés, des problèmes, des mésententes. Donne les capacités, Seigneur, à chaque parent. Nous ne voulons pas au dernier jour rougir devant de toi parce que nous n'avons pas fait ta volonté. Seigneur, un homme ne peut de lui-même accomplir ta volonté. C'est pourquoi nous demandons l'aide du Saint-Esprit et nous demandons ta force. Que vos maisons soient bénies, que vos familles soient bénies, que Dieu vous exauce. Qu'il vous donne ce que vous demandez. Que Dieu vous exauce et qu'il vous accorde ce que vous demandez. Que Dieu vous exauce et qu'il vous accorde ce que vous demandez. Que Dieu vous exauce et qu'il vous accorde ce que vous demandez. Soyez bénis, bénis, protégés, gardés au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'une
acclamer royalement celui qui a restauré nos familles. Est-ce qu'on peut lui donner cette offrande d'acclamation? Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Merci papa pour cette sagesse, merci beaucoup. Que le Seigneur arrose encore sur la vie de notre papa, dans le nom de Jésus. Et c'est sous cette atmosphère que nous voulons offrir à notre Dieu. Et pour ce soir, nous avons deux services. Le premier, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et bien sûr nos contributions pour la construction. Si le service de protocole peut déjà nous aider, approchons-nous s'il vous plaît. Amen.
Masia, ma voix commence à confuser. Serviteurs et aux servantes de l'église de bien vouloir s'avancer. Nous allons bénir les offrandes de ce soir. De partout où vous vous trouvez, serviteurs, servantes de Dieu, approchons-nous s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi, le Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Seigneur, nous voici avec ce que tu avais mis entre nos mains. Ô Dieu, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour t'adorer avec nos avoirs, avec nos finances. Nous te prions dans le nom de Jésus d'agréer ces offrandes, de nous agréer au nom de Jésus. Nous te prions de nous bénir, de nous multiplier financièrement, de nous rendre riches, ô Dieu. Éternel, qu'aucun parent en ce lieu ne manque de quoi, ô Dieu, à répondre aux besoins financiers de ses enfants, dans le nom de Jésus. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Sanctifie tous ces billets des banques afin qu'ils servent à l'édification de ta maison. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Amen. Amen. Et pour ce soir, nous avons quelques annonces. Nous avons un codim chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Le Petit David à la 3e rue industrielle, aux mêmes heures que nos cultes, c'est-à-dire le premier de 7h à 9h30, le deuxième de 10h à 12h30 et le troisième de 13h à 15h30. Le département de la jeunesse informe à l'église qu'il tient une action en ce lieu demain déjà. À 17h, l'action est nommée Open the Season. Demain, ça sera le deuxième samedi et nous invitons très, très nombreux en ce lieu. Action de grâce. Les familles Kalala, Kaozi rendent grâce à Dieu pour une année de plus dans la vie de leur fils, Hiram Joseph Kalala. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. De partout où vous êtes, nous allons commencer d'abord par les serviteurs de Dieu. Vous êtes responsables d'un ministère, berger, pasteur, prophète, servant de Dieu. De partout où vous êtes, nous vous prions simplement de balancer la main. Le peuple de Dieu veut vous honorer. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous te prions, ma sœur, mon frère. Vous avez prié avec nous pour la première fois. Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Le peuple de Dieu veut également vous accueillir. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous vous prions de prendre tous vos effets et de bien suivre les instructions du service de protocole.
Si la chorale parle le même langage que nous, il va nous aider à accueillir nos sœurs et frères. À la fin du culte, des bien-aimés qui appartiennent à des familles que Dieu a restaurées ce soir vont venir s'entretenir avec vous. Et déjà, nous vous invitons pour demain à l'activité que va tenir notre département de jeunesse à partir de 17h et bien sûr de revenir dimanche et choisir l'un de culte là où vous pourrez assister. Et c'est sur cette note que nous prions à papa de reprendre la parole. Les bienvenus. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes spéciaux. Amen. Ça y est, béni. Le dimanche, je vais enseigner sur les blessures des pères causées par les enfants. Donc, on continue cette série-là. Excusez mon débordement, la matière était vaste. Amen. Il fallait que vous sortiez vraiment avec beaucoup de choses. Nous nous tenons debout. Dis avec moi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, fais-le dans chaque maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à dimanche et samedi. M'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'Évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver, pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser des cartes, vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.